Hamelin qui récupère. Hamelin, belle fin là-dessus. Hamelin le tire et contre. Oh, quel but! Oh, quel but sans l'échec! Un échappé, Carpentier. Vous l'avez fait, faites attention. Un bon arrêt, lance. Et goal! Carpentier avec le 10, Canton de l'autre côté, le but! Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à La Source et la Nage, le balado officiel de la Ligue nord-américaine. Aujourd'hui, épisode 11 à l'émission, on va recevoir le commissaire par intérim de la LNOH, Gilles Rousseau. Et puis, on va avoir là, un bilan de mi-saison, comme annoncé. Quelques nouvelles pour vous. La vidéo là, des top jeux de la mi-saison. Et puis, on va y aller aussi là, en terminant avec la nouvelle formule là, qui va être annoncée pour la source LNH, là, avec justement, vu qu'on n'a pas de hockey, peut-être, on va vous garder la surprise. Dave, comment ça va? Ça va bien, toi? Yes, yes. La dernière fois qu'on s'était vu, là, tout le monde, c'était le 21 décembre avec Emilien Boily et puis Bob Desjardins. Il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts. On a eu les vacances de Noël. La seule chose qui n'a pas changé, c'est qu'on n'a pas de hockey. Oui, malheureusement, là, ça n'a pas bougé beaucoup là, dans les dernières 2-3 semaines. Là. On va espérer que ça soit différent dans les 2-3 prochaines, là, parce que c'est long, pas de hockey. Oui, exact. Je voulais juste partager peut-être, Dave, en attendant, je ne sais pas si... il y avait quelques nouvelles, là, peut-être, à parler du côté des Lions de Trois-Rivières. Là, aussi, les activités sont suspendues. Vont reprendre le 21, 22, 23 janvier, là, pour l'instant. Oui, donc, c'est pas mal les seules nouvelles qui concernent la Ligue nord-américaine que ces temps-ci. Là, les joueurs qui se font signer là, au niveau des Lions de Trois-Rivières. Ouais. Il y avait, je pense que c'est Dylan Labbé, le plus récent, là, qui a signé. Il y avait plusieurs signatures. Là. Le dernier match que les Lions ont joué, je pense que c'était le 27 décembre. Il y avait notamment, là, c'est plate, parce que le 28 décembre, c'est là que les activités ont arrêté, mais il était supposé avoir un match le 28 décembre. C'était supposé être Marc-Antoine Gélina, le gardien des Éperviers, qui était supposé avoir le départ, si je ne me trompe pas. Puis il y avait encore plusieurs joueurs là, dans la formation là, qui étaient des... je ne me rappelle pas de tous les joueurs là, qu'il y avait, là, parce que c'était rendu qu'il y en avait quand même une couple. Là. Je pense que j'ai vu Gabriel Verpas démarquer qu'il y avait eu... André Bouvet-Morissette, des Éperviers. André Bouvet-Morissette, oui. Tony Yanks, des Éperviers, il a joué un match. Il en avait... C'est rendu que c'est quasiment dur à suivre parce qu'il y en a plusieurs à chaque match. Là. Donc, c'est une bonne nouvelle. Puis je pense que ce qui est le fun aussi, c'est que la Ligue commence à avoir un peu plus de reconnaissance. Là, il y a deux jours, j'ai entendu le coach des Lions, Éric Bélanger, il était en entrevue au 91.9 Sport. Puis justement, là, il louangeait pas mal là, les joueurs de la Ligue nord-américaine qui étaient rentrés dans le line-up là, parce que ça les a beaucoup aidés depuis le début de la saison. Puis c'était drôle parce que Éric Bélanger, lui, avait l'air de savoir c'était qui les joueurs, puis c'était quoi le calibre qui rentrait. Puis l'animateur... je pense que l'émission du retour, c'est Martin Lemay, je pense, qui fait ça. Il n'avait pas trop l'air de la manière qu'il en parlait. Il était surpris comme que les joueurs de la Ligue nord-américaine rentrent dans le line-up de la East Coast puis qu'ils soient capables de suivre puis d'avoir de l'impact. Puis j'étais comme OK. Allô? Ouais, va dehors. Prends 30 secondes pour aller checker les highlights. Mais pas les highlights, mais comme les résumés des joueurs qui rentrent. Puis tu vas voir que... C'est des gars qui ont déjà joué dans cette ligue-là ou des gars de calibre ou des gars de talent, des gars qui ont joué dans la Ligue nationale, Ligue américaine. Je pense que Sacha Pokola que tu allais jouer, c'est un choix de première ronde, comme s'il ne serait pas capable de suivre la East Coast, en tout cas. Je trouvais ça drôle que que l'animateur n'avait pas l'air au courant, mais c'était le fun parce que Éric Bélanger, lui, il remet un peu les pendules à l'heure, là, puis il a beaucoup parlé en bien de notre ligue. J'avais bien aimé ça. Yes. Donc, on pourrait peut-être... J'ai fini de partager là, sur les différents groupes là, des équipes. Donc,
Peut-être dire un petit salut là, aux gens qui sont dans le chat. Martin Simoneau qui dit bonsoir Seb et David. Karen Marcel Blanchette qui dit regarde ce live, me donne hâte au retour. Ben ouais. On a tout hâte. On a tout hâte. Salut à Mathis de la Sablonnière, Maxime Veilleux qui parle justement de Martin Lamé. Sandra Géroux-Poulin de l'Assurantia là, qui nous dit salut. Donc, salut tout le monde. Aujourd'hui, on va avoir Gilles Rousseau, commissaire par intérim, directeur général de la Ligue nord-américaine. Je pense que les gens ont beaucoup de questions pour lui, tant au niveau là, de qu'est-ce qui se passe dans la situation actuelle. On a parlé des Lions aussi. Il y a quand même là, des choses à regarder là, au niveau des séries, au niveau des combien de joueurs qu'on prend à la fois. Il y a des discussions en ce moment. On a peut-être des questions aussi sur, on dit par intérim, mais Gilles Rousseau est là depuis un bout. Là. On s'est parlé en pré-entrevue. Il nous a dit qu'il était à sa 21e année là, bientôt. Donc, est-ce qu'on va avoir un Gilles Rousseau numéro 2? On va y poser des questions. Les gens là, qui nous écoutent aussi, n'hésitez pas. Je pense qu'on pourrait peut-être y aller, Dave, avec notre invité. Oui, on a un peu moins de nouvelles que d'habitude en début d'émission. Fait que ouais, on peut y aller tout de suite avec Gilles. Ça pourrait être intéressant aussi là, de savoir qui est cette personne-là. Gilles Rousseau, là, on entend son nom, on entend dans les communiqués, on voit peut-être là, les gens de la Ligue, là, les propriétaires des équipes, les directeurs gérants, on entend parler de Gilles Rousseau, mais peut-être que les fans veulent en savoir plus aussi. Donc, Gilles Rousseau, bonsoir. Bonsoir, Gilles. Bonsoir, David. Ça va bien? Oui. Oui, donc tu attendais impatiemment dans la salle d'attente. Les gens, je pense, ont hâte au retour du hockey. Gilles, toi, t'as-tu hâte? Écoutez, j'ai hâte parce que l'année passée, ça a fini juste avant les séries. Puis c'est des semaines intensives de travail jusqu'à la fin de mai pour les séries. Puis cette année, bien, on a fait des zooms pendant quasiment... On a fait 15 zooms, je pense, cette année pour réglementer la régie interne, puis la constitution, puis le plafond salarial, puis le maraudage. On a tout fait ça, on était prêts à partir, puis on a parti au mois d'octobre, puis tu vois, là, on est arrivé au mois de décembre, on est encore arrêté. Avant d'aller dans le vif du sujet, peut-être faire un portrait là, de Gilles Rousseau, l'homme là, derrière le directeur général et commissaire de la Ligue. Tu es avec la Ligue nord-américaine depuis 2001. Oui, février 2001. Donc, j'ai commencé comme préfet de discipline, j'ai fait 5 ans. Puis après ça, ben, suite à une belle mise en demeure du Radio X de Québec de 1 million, j'ai laissé ma place de préfet de discipline. Puis depuis ce temps-là, ben, j'ai été secrétaire, vice-président, puis directeur général. Est-ce que c'était à cause de l'histoire d'Onan Brashear? En plein ça. Oui, hein? Est-ce qu'on peut rappeler les faits un peu là, pour les gens qui nous écoutent, qui savent pas de quoi on parle? C'était les ProLabs de Thetford contre Radio X. Puis il y avait pas mal d'hommes forts dans ça. Puis à un moment donné, la bataille générale a pris. Puis il y avait un importé pour Thetford, Kernstead. Il s'est battu avec Brashear. Puis à un moment donné, il a tombé à terre, s'est relevé. Brashear l'a frappé, il a tombé à terre. Puis là, il y avait la face, ça a de l'as de même. Puis chose, il a donné 5 coups de poing sur la tempe. Fait que c'est arrivé au mois de décembre. Puis moi, je l'avais suspendu pour l'année. Fait qu'après ça, ben, ils sont allés en appel. Puis le comité d'appel était dissous pour avoir un autre comité d'appel, vu que lui, il jouait dans l'Ligue nationale. Ils sont allés avec Bureau, Jean Perron, puis Morissette. L'audition, elle a duré 1 heure. J'avais des documents que je lui montrais, plus la cassette. Puis, je voyais qu'il suivait pas trop le document, là. Surtout M. Perron, il était loin. On était à page 8, puis il était à page 1. Ça fait que là, je lui ai dit, écoutez, vous avez une décision à rendre, parce que la cassette n'avait pas été publique encore. J'ai dit, si vous ne donnez pas une décision
qui est quand même favorable à une suspension parce que, comme ça, tu dis, il a joué dans le national, on ne suspendra pas ça, certain. J'ai dit, moi, je vais prendre les médias avec ça. Fait que le lendemain, il appuie comme ça, puis il dit, on ne prend pas de décision. Fait que là, ils ont refait un autre comité d'appel différent, puis moi, je n'étais plus dans ça, là. Fait qu'ils ont donné 15 games, je pense. Okay. C'est un peu ça, l'histoire. Un gros dossier. Ah oui. On avait parlé... Quand on a eu en entrevue Martin Wagner, il en avait parlé de cette histoire-là, là, puis il a fallu qu'il aille faire une déposition, puis c'est lui qui était là ce soir-là, je pense. Ouais, les officiels ils ont été convoqués au palais de justice de Thetford pour venir témoigner dans le dossier. Finalement, ça s'est réglé entre les avocats, mais il y a eu des bonnes sommes d'argent qui ont été déposées par M. Brachy. Sinon, pour revenir à... En 2001, là, quand tu es rentré dans la Ligue, c'est sous quelles circonstances que tu es arrivé à la Ligue nord-américaine qui ne s'appelait pas... Non, c'était la semi-pro. Ouais. Puis ce qui est arrivé, c'est qu'ils cherchaient un profil de discipline parce que c'était M. Godette qui avait commencé, puis il a fait une semaine, puis il n'en voulait plus de ça. Il était nommé commissaire. Fait qu'il n'y a un que de Henri Therrien, qui était le maire de la ville de Thetford. On avait travaillé ensemble dans beaucoup de dossiers. Il a donné mon nom. Puis ça l'a passé là-bas. Puis j'ai commencé comme préfet de discipline. Je l'ai vu de toutes sortes avec les cassettes là, qui arrivaient toutes détériorées. Là, il fallait les faire remonter pour voir les événements. Là. Ouais, ça ne devait pas être évident. Là. C'était des VHS là, dans ce temps-là. Ouais. Des fois, c'est le boîtier qui était cassé. Des fois, c'est le ruban qui était coupé. Mais moi, je connaissais quelqu'un ici. Il me remontait tout. Fait que j'étais capable de prendre mes décisions. Mais là, tu trouves. Fallait pas qu'une décision soit rendue dans l'heure. Hein. Non. Mais c'est ça aussi, pour continuer un peu sur la question de David, t'es arrivé en 2001 là, comme préfet de discipline, mais étais-tu dans le milieu du hockey ailleurs? Avais-tu un background? Ben moi, j'ai joué hockey toute ma vie. Là, puis quand j'étais junior, je jouais pour les Canadiens de Thetford. On jouait justement contre les Éperviers de Sorel dans le temps. Là. Fait que moi, j'ai joué avec Perrault, Tardy, Hull, Rogatien, Vachon, ce joueur-là. Puis quand j'ai fini mon junior, ben là, je suis allé dans des lignes un peu comme on a la ligne nord-américaine, mais un petit peu moins fort. J'ai joué pour Sherbrooke, j'ai joué pour Saint-Georges. Fait que j'avais quand même pas mal de connaissances dans le domaine du hockey. Puis comme métier là, dans la vie de tous les jours, à part être directeur général, préfet de discipline, puis la liste qu'on a nommée, c'est quoi que tu faisais? J'imagine que tu ne travailles plus maintenant, mais que tu es retraité à part de ça, mais c'est qu'est-ce que tu faisais comme métier? Bien, en 1971, je suis devenu policier de la ville de Thetford. J'ai fait ça pendant 30 ans. Puis quand j'ai terminé, j'ai eu un contrat à l'Institut de police du Québec pour évaluer les policiers qui voulaient avoir des grades. Puis de 2009 à 2013, j'ai travaillé à la prison de Donnacona comme juge pour les dossiers disciplinaires. J'étais pas mal dans la discipline souvent. Ouais, c'est ça. J'avais dit, c'est préfet de discipline, puis la police, la prison, ça va un peu ensemble aussi. Ouais. On connaît, c'était-tu dur parce qu'on connaît un peu des fois les organisations, le fait que le préfet de discipline ou un des directeurs de la Ligue, je sais pas, ça soit le gars de Thetford, je sais pas, est-ce que c'est quelque chose qui des fois venait jouer contre toi ou tu te faisais comme gosser avec ça? Non, ça m'est jamais arrivé. La chance que j'avais des années que ça jouait robuste, là, j'ai vu des années, des fois, au mois de novembre, faire une réunion, on avait 11 générales déjà. Fait que, tu sais, mais Thetford, dans ce temps-là, c'était pas des robustes. Fait que ça m'a aidé quand même un peu parce que c'est rare, je les suspendais, mais il n'y avait pas motif non plus à les suspendre. Parce que quand il y avait motif à les suspendre, il y a un gars de Thetford, à un moment donné, il a donné un coup d'hockey sur la tête d'un gars de Québec, puis le lendemain matin, je le suspendais pour l'année. Puis Thetford a dit « Parfait, on prend ta décision, on ne revient plus. » Fait que ça m'aidait quand une organisation prenait la discipline de même. Mais même, je regarde Laval, ils ont eu des suspensions. À un moment donné, ils ont trouvé de faire un règlement que quand il y avait trop de suspensions, on pouvait les remettre un peu plus tard parce qu'il n'y avait pas assez de joueurs. Mais Burger, j'ai quand même eu une des belles relations avec Bob Burger, je vous le dis, moi, là. Puis Richard Savaria, ils ont été corrects avec moi. On m'a soufflé aussi à l'oreille là, que tu étais impliqué dans des fondations aussi. Ah, je suis dans la Fondation Carrier Fecto, c'est la polyvalente de Thetford.
on donne beaucoup d'affaires aux jeunes. Après ça, j'ai le fonds Saint-Alexandre pour les personnes âgées. J'ai le fonds de la cafétéria Thetford Mind encore. Puis quand c'était tombé tranquille au mois de mars dernier, je suis rentré dans un conseil scolaire. Je suis dans 3 comités, fait que je suis pas mal occupé. Good. T'as vu combien de commissaires là, depuis que tu es en poste? Là? Ben, c'est notre 6e commissaire. Là. Le premier là, qui était, moi, on était appelé président dans le temps, c'était Denis Courville. Après ça, on a Michel Godette qui a fait 8 ans. Michel Godin qui a fait 9 ans. On a Richard Martel qui a même pas fait un an parce qu'au mois de décembre, il nous a annoncé qu'il s'en allait en politique. Fait qu'il était là, mais il était pas là. Fait que dans le fond, j'ai assumé son rôle tout le restant de l'année. Après ça, on a eu Jean-François Laplante, qui est un excellent commissaire. Il a décidé de démissionner parce que les vues que lui avait envers la ligue, c'était pas les vues nécessairement des propriétaires. Il voulait rajeunir le staff de la ligue. Je pense qu'il avait raison. Puis après ça, mais il voulait avoir un VP hockey, puis c'était refusé. Fait que Jean-François, il a décliné, mais il a réellement fait du bon travail, il était structuré, il avait des objectifs. Mais pour les atteindre, il fallait qu'il y ait de la collaboration dans ça. Mm-hmm. Puis dans la vie de tous les jours, là, un commissaire, là, c'est quoi que tu fais, tu sais, day-to-day, un commissaire de la Ligue, là, c'est quoi que ça fait? J'ai oublié Renaud Lefort aussi, il a fait un an Renaud, il n'a pas renouvelé. Là. Ça fait, ben moi, je fais tout parce que je suis directeur général en même temps. Fait que tous les communiqués que j'envoie aux équipes, que ce soit pour la réglementation, pour la couleur des chandails, de A à Z, je fais ça. Là. Normalement, c'est plusieurs heures par semaine. Puis les fins de semaine, quand il y a des parties, ben moi, je regarde les feuilles de match, puis là, je regarde toutes les sanctions, c'est des automatiques, je fais le document. Puis si c'est pas automatique, je l'envoie à David. David, il fait l'étude, il regarde les vidéos. Là, il me renvoie la décision. Moi, je fais copier-coller, puis je vais envoyer ça aux équipes. Parce qu'on veut, pas que les équipes se mettent à transiger avec le préfet de discipline pour essayer de faire modifier les sanctions qu'ils donnent ou les amendes. Mm-hmm. Mais c'est quand... ça, est-ce quand... que c'est... Ah, vas-y, David. Ah, ben, est-ce que c'est... Est-ce que ça vient lourd des fois de, on doit savoir là, mettons des sanctions qui font pas l'unanimité ou des équipes qui sont fortes. Est-ce que des fois c'est des engueulades, ben pas des engueulades mais des grosses discussions au téléphone. Rarement. Ça va arriver des fois pour des amendes. Là ça va discuter, mais encore là moi j'ai une bonne relation avec tous les propriétaires parce qu'on fait des zooms puis on fait des réunions présentielles. Puis tous les propriétaires ou les gouverneurs qui viennent aux réunions, là, je pense qu'il y a un respect qui s'est établi entre nous autres, qu'on garde de se parler là, sans s'envoyer promener. Mm-hmm. Lors des réunions, là, est-ce que c'est toi qui fais l'ordre du jour avec les choses que vous allez parler et tout? Oui, moi je fais l'ordre du jour, je les envoie, puis s'ils ont des points à rajouter, on les rajoute, puis moi j'anime, puis je fais le procès verbal. Okay. Mais là, j'ai Carole Paiement qui est trésorière, qui commence à m'aider dans ce domaine-là, parce que comme elle a négocié l'entente avec les officiels, c'est elle qui s'occupe du budget avec Molson, avec Verdure, avec les équipes là, pour les sommes qu'ils doivent nous donner. Là, fait qu'elle a fait ce travail-là aussi. Mm-hmm. Puis, qu'est-ce qui est des commandites? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est attitré à ça ou c'est un peu les gens qui se séparent le travail? Ben, les commandites, normalement, là, le rôle d'un commissaire, là, c'est de trouver des commandites puis trouver des nouvelles concessions. Quand Renault a décidé qu'il ne revenait pas, puis en tout cas, il ne s'est pas entendu avec les propriétaires, moi, j'ai parlé avec les propriétaires, je ne peux pas tout faire quand même. Là. Je ne peux pas me revenir à la grandeur du territoire. Ben, ils ont dit, on va laisser les équipes venir à nous autres qui sont intéressées, puis pour les commanditaires, on va les quand même essayer d'en avoir plus, mais on va y aller par courriel. Fait que, tu sais, on avait perdu Verdure, on l'a retrouvé. Là, on a Molson qui est là, mais on en perd des commanditaires toutes les années. Je regarde, il y a une année là, qu'on avait, je ne sais pas, je l'ai ici. Là. Pour m'a donné là, avec. Trouver ça un peu. Là. Ouais, avec les l'Auto-Québec, on a eu une année, là, dans les années 2004, on a eu 180 000. Puis en 2006, on a eu 65 000. Puis après ça, ben on n'a plus.
On n'a plus parce qu'un, il a arrêté, mais deux, on avait un rôle à jouer. Il fallait qu'on ait des bénévoles dans chacune des arénas qui donnent des papiers pour voter là, pour les joueurs de la Ligue nationale et tout ça. Puis à un moment donné, mais il y a des places qui ne l'ont pas fait. Fait que d'autres ont vérifié. Puis on ne l'a pas fait. Fini. Plus de l'Auto-Québec. Ça a été assez rapide. Non, mais c'est ça. Puis tu sais, regarde, quand Michel Godette était là, il a amené des commanditaires que lui connaissait. Ouais. Quand Michel Godin, quand pareil, Richard Martel, il a emmené beaucoup de commanditaires du coin de Jonquière, Saguenay, parce qu'il les connaissait. Mais quand ces gars-là partent, sont remplacés par un autre, ben, on les a plus, ils ne reviennent plus. Là, ils ont commandité parce qu'ils voulaient faire plaisir à Richard Martel, parce qu'ils voulaient faire plaisir à Jean-François Laplante, parce qu'ils voulaient faire plaisir à Renaud Lefort. Mais là, on les a plus. Puis quand on a arrêté longtemps, c'est plus difficile d'avoir des commanditaires aussi. Mm-hmm. C'est pas leur dire que c'est un défaut, mais. J'imagine que c'est pas quelque chose que la Ligue devrait chercher, dans le sens que à l'avenir, j'imagine, il faudrait pas trop que les commandites soient nécessairement comme liées à la personne directement, parce que là, si cette personne-là part, ben là, elle prend genre tout un morceau avec. Là. Fait que c'est. Je pense que c'est quelque chose qui risque d'être à regarder pour les. Oui, mais au cours des quatre dernières années, on a changé quatre fois de commissaire. Tu sais, ça te prend quelqu'un qui va être là pour longtemps et qui va aller chez des commanditaires. Mais quand on arrive, il faut avoir des commanditaires majeurs. On a essayé, là, mettons, 100 000, 200 000. Là. Ben, votre ligue est trop robuste, on n'aime pas ça. C'est tout le temps la même réponse qu'on a, même si je pense que là ils n'ont pas grand-chose à approcher comme robustesse. Oui. Hein? Ben, si je peux répondre à ta question aussi, Dave, même dans le... Dans le monde des ventes, là, je travaille à RDS aux ventes, puis les reps, là, ils ont leurs clients, leur carnet, leurs contacts, puis quand il y a un rep qui s'en va pour une autre compagnie, il amène ses papiers, puis ses clients, puis la compagnie à récupérer, à retrouver le lien, là, puis à recontacter le client aussi. Là, c'est un peu... la même chose un peu partout. Là. Je pense que ce soit quelqu'un qui s'occupe exclusivement des commandites pour la Ligue, s'il s'en va, ça ferait un peu la même chose qu'un commissaire qui s'en va. Oui. Il y a une question de Mathieu Ricard qui dit à propos des abonnements LNH TV, est-ce que vous avez des plans là, pour qu'est-ce qui pourrait se passer advenant là, que il n'y ait peut-être pas un calendrier complet ou... Oui, c'est sûr que regarde, on a un Zoom le 17, ça c'est dans l'ordre du jour, les billets de saison, puis les web TV, qu'est-ce qu'on va faire avec ça. Mais à date, là, on n'a pas beaucoup de réclamations, parce qu'on ne sait pas ce qui va arriver. Puis si ça repart, est-ce que les propriétaires vont décider d'honorer les billets de saison plus longtemps? Est-ce que les gens qui ont acheté des web TV à l'année, ils vont aller dans les séries? Ça, on ne sait pas ça encore. C'est des décisions qu'ils vont prendre le 17 janvier prochain. Mais c'est sûr que ça va être étudié. Parce que c'est sûr que tant qu'on ne sait pas s'il va y avoir un calendrier complet ou s'il y a des matchs qui vont être coupés, on peut pas vraiment. Les propriétaires ne peuvent pas vraiment. Ouais. À date, les gens étaient corrects, ils voient que c'est pas de notre faute. Là. Puis je parle à Carole Paiement, trésorière, puis elle n'a pas eu de réclamation, ni du web, puis les équipes comme Tedford, je parlais au propriétaire un matin, ils n'avaient pas eu non plus. Là, tout le monde y attend. Puis moi, ce que j'ai parlé avec des gens, ils ont dit ben, si on continue nos billets de saison en série, ben ça serait pas mal légal. T'sais. Fait qu'on va voir. Ouais. Ça se peut-tu que si tu étudies, mettons que. Je sais que les propriétaires veulent le moins possible qu'il y ait de match d'annulé. Est-ce que c'est ça que Bob nous avait dit quand on l'avait eu là, au mois de décembre? Est-ce que ça se pourrait, mettons, qu'on ait un calendrier que les clubs jouent jusqu'à la fin de la saison, comme un 3 matchs par semaine, au lieu de 1 ou 2, puis que ça soit comme. Il va en avoir de l'action? C'est une possibilité, mais aussi, il faut regarder. Puis ça, c'est dans l'ordre du jour de lundi. Les arénas, ils sont ouverts jusqu'à quand? Il y en a qui ferment de bonne heure en mai. Puis il y en a d'autres qui ferment au mois de juin. Puis il y en a qui ferment pas pantoute comme Jonquière. Ouais. Fait qu'on va tout savoir ça lundi. C'est quoi tes dates, là, qu'on peut aller le plus loin chez vous? Puis c'est ça, ils n'aiment pas ça jouer 3 games par semaine, mais il va falloir, à un moment donné, s'ils veulent avoir le calendrier pour que les gens soient honorés de billets de saison puis le web TV, il va falloir qu'ils jouent. Ouais. Mais parlons-en, là...
La réunion était supposée d'être préalable hier, là, le 10 janvier, était reportée au 17. Là, on a parlé un petit peu là, à l'ordre du jour, là, peut-être, des divers scénarios, mais qu'est-ce qu'il y a à l'ordre du jour là, pour le 17 janvier précisément? Regardez, tu peux te dire ça. tes feuilles sont prêtes. Ben là, on a le budget à revoir avec Molson, puisque Molson, si on est 3 mois sans jouer ou 2 mois sans jouer, ça peut bouger aussi. Puis, on a des règlements. On a beaucoup de règlements qui se terminent en janvier. Tu sais, mettons, telle date en janvier, tu peux plus faire ça. Après telle date, tu peux pas signer un autre joueur. Comme les gars qui vont dans ECHL après le dernier mardi janvier, ils peuvent plus revenir. Ça, on a fait un règlement qu'on a envoyé à M. Bergeron pour ça. Mais il y a beaucoup de règlements. Il faut revoir ça. Aussi, vous savez, Biathlon, on en a parlé. La fermeture des arénas ou pouvoir prolonger la saison. Puis on a aussi une demande pour podcast, voir si on pourrait pas faire quelque chose pour des tirages que vous allez faire. Là. C'est pas mal la zoom qu'on va avoir. Un petit commercial pour vous autres. Ben oui, on vous laisse garder ça pour la fin. Mais... Ah, je ne l'ai pas dit finalement. Bon, on va en parler. On va en parler plus tard, mais plus en détail. Il y a, pour l'instant, là, dans la situation actuelle, il n'y a pas, peut-être, j'ai vu là, passer là, pour les gens de la Ligue nord-américaine, là, les fans, Caroline Marcy-Blanchette, là, dans le groupe des pétroliers, a dit que c'était possible là, que des équipes pratiquent. Donc, d'après les règlements, si on comprend bien, puis il y a Lucien Paquette là, qui a donné un peu de détails, mais pour les gens là, qui n'ont peut-être pas suivi ça, qu'est-ce qui est légal, qui n'est pas légal en ce moment? Est-ce que les équipes ont le droit de pratiquer? Est-ce que les équipes ont le droit de jouer? Évidemment, peut-être sans spectateurs. Qu'est-ce que les équipes ont le droit en ce moment? Présentement, je vais vous dire, dans les arénas, là, comme... Je sais pas, Jonquière, Laval, c'est une aréna privée, ils peuvent pratiquer, mais j'ai vu cette semaine que la santé publique a envoyé des polices. Là. J'ai vu ça dans Facebook avant hier. Mais ça, c'est comme des gens qui organisaient une partie, ça. C'était pas professionnel, par exemple. Quelque chose de même. Ouais. Mais je regarde dans la commentateur, là, il y a pas de ligne de garage, rien qui marche là. Là. Je sais pas si sont toutes de même, mais je pense que oui, parce que pour pratiquer... C'est sûr qu'ils ne joueront pas parce que, écoute, les joueurs, ça vient de partout. À Thetford, je pense qu'il y en a deux qui sont à Thetford. Le reste, ça vient de Montréal, du Québec. Et ils ne feront pas venir essayer de jouer et pas y payer. C'est impossible. Fait que nous, on va recommencer à jouer quand on va avoir 50 % de la capacité de l'aréna qui va être OK selon la santé. Est-ce qu'il y a du monde dans la Ligue nord-américaine qui ont des contacts ou qui parlent un peu afin de savoir vers quoi ça s'enligne dans le monde de la santé publique ou c'est vraiment on regarde ce qui passe aux nouvelles comme... Ben, nous autres, là, dans chacune des arénas, je pense que c'est les services des loisirs qui vont donner les directives. Mm-hmm. Puis à Saint-Georges, je sais que c'est ça parce qu'ils communiquent souvent avec le gérant de l'aréna de Thetford puis il dit, ben, ça va être de même. Puis ici, je sais que les lignes de garage n'ont même pas le droit. Là. Mm-hmm. Il n'y a rien dans l'aréna. Puis, je sais pas, à Saint-Georges, ça doit être pareil. Je vais pas vous vérifier, là, mais je pense pas qu'ils admettent personne dans l'arène. Donc, il y a une question un peu peut-être par rapport à ça aussi. François Poliquin qui demande, est-ce que c'est envisagé de disputer des matchs sans spectateurs ou à un maximum, mettons que c'est 250 ou... Pas en bas de 500. Même à 500, on joue pas. Faut qu'on ait 50 % de la capacité de l'aréna. Mm-hmm. 500 spectateurs là, à 15$, tu ne fais pas tes frais. Là. Ça, c'est pour être rentable. Ça, c'est faut que tu payes tes arbitres. Là. Les arbitres, le marqueur, tu payes de la sécurité. Les joueurs. Puis tes joueurs, ouais. C'est ça. Tu sais. Non, à 500 spectateurs, quand on a commencé à faire des zooms, là, c'était définitif. À 500, on ne commence pas. À 50 % de ta capacité, oui. Okay. C'est au moment que le gouvernement nous remette à 50 %, tu peux être sûr que ce ne sera pas long. Hein. Ils vont une réunion, puis ils vont regarder assez dur, puis on va recommencer. Là. OK. Ça précise un peu. Là. Je pense que ben,
C'est un peu ce que Bob nous avait dit aussi le 21 décembre, là, comme quoi que je pense que pour que les équipes soient rentables, faut être à full capacité, là, je pense. Que, Tu vois, Jean-Pierre, il était rendu des foules de 1200-1300 dernier, tu sais, puis il met peut-être 2006 dans l'aréna. Fait que s'il recommence à 1300, il va être bien content, je pense. Mmh. Je pense même chose à Sorel, 50%, ça donne comme 1500. Ouais, c'est ça. Là, fait que, tu sais, c'est pas mal les foules. Il y a eu une foule, je pense qu'il y a une ou deux, je pense, qui a dépassé 1500 cette saison. Fait que, tu vois, je pense qu'il y a 1600 et 1800, je pense. Ouais, 1800 contre Laval un soir, là. Ouais, fait que, ouais, je pense pas qu'il y ait de troubles. Ça va peut-être juste être plate pour les séries, mais en même temps, ça va faire. Si c'est ça pendant les séries, ça va faire peut-être un peu d'exclusivité. Ça va s'arracher billets, puis peut-être plus de monde vont le regarder en ligne aussi. Peut-être, ouais, parce que ça manque au monde. Hein, nous autres, là, quand on a commencé le web cette année, là, on avait zéro de revenus. Zéro. Mm-hmm. Puis ça a fonctionné à merveille. Là, on était contents. Le monde, ils ont adhéré au web, beaucoup de billets de saison, puis beaucoup d'autres à 15$ la partie. Là, le monde choisit le parti, fait qu'on était très contents du web. Mais c'est un risque que les propriétaires ont pris encore. Parce que quand tu dis, là, on autorise 60 000$ pour le web, puis tu n'as pas une scène de revenus, là, plus les frais de ligue qu'ils doivent payer là, à tous les trois mois, à tous les mois, je veux dire, en octobre, novembre, décembre, c'est à penser si bien, là, parce que l'année passée, il y a une gang qui a mangé de l'argent, les gars, avec les propriétaires, quand ça l'a arrêté, parce que les séries n'étaient pas faites. C'est des séries qu'on se refait normalement dans notre ligue. Est-ce que, parlant là, de la web, est-ce que tu peux nous en parler un peu, peut-être en détail, là, au début de la saison, il y a quand même eu une augmentation là, des prix des abonnements de saison à l'NH TV. Il y a eu quand même de la run, là, on se demande pourquoi c'est quand même le même produit. Pourquoi que la Ligue a augmenté là, les frais pour cette saison-là? Parce que c'était notre seule source de revenus extérieurs. Puis on a dit quelqu'un qui est chez eux qui décide de ne pas aller à partir à cause de la COVID, la tempête, puis tout ça, il va peut-être préférer prendre un abonnement à 199$. Puis Alain Fortier, qui fait le web, il a amélioré beaucoup son produit. Parce que moi, je l'ai, puis j'écoute les parties le samedi matin avant de faire la discipline pour l'envoyer à David. Puis je peux te dire une affaire, j'ai pas eu de troubles cette année, j'allais chercher ou je regardais, puis ça buguait pas. Il y a eu peut-être au début quelques petites erreurs, mais là, ça allait bien. Ouais. Les gens qui l'ont eu, normalement, ils ont été satisfaits, là. Ouais, puis tu sais, c'est moi qui fais les faits saillants des parties, tout ça, c'est moi qui fais les montages, puis... Je sais que, tu sais, je m'étais fait approcher aussi pour... je sais que les propriétaires cherchent aussi à bonifier l'offre de la web télé, dans le sens que, tu sais, je veux pas mettre de timeline là-dessus ou de d'échéancier, là, de savoir quand ça va arriver, mais tu sais, je sais que les propriétaires veulent bonifier ce qu'ils offrent aussi aux partisans avec ça. Par exemple, je sais qu'on a parlé d'un avant-match, tu sais, d'offrir un avant-match, mettons, un petit... émission, le fait à chaque semaine, là, un petit 15-20 minutes, qui serait comme un avant-match pour ceux qui ont accès au match, qui ne serait pas présenté nulle part ailleurs. Fait que, t'sais, ce genre de choses-là. Fait que je sais que les propriétaires veulent en donner plus aussi pour leur argent aux partisans, là, mais ça se fait pas. Malheureusement, ça se fait pas en claquant des doigts, là, mais je sais que c'est des choses qui sont en train de travailler. Et on part de loin, puisque les premières années, les deux premières années, on était déficitaires beaucoup dans ça. Là, fait que là, ça allait bien. Mais je pense qu'ils sont bien contents de leur choix d'avoir recommencé avec le web cette année-là. Il y a une question de Alain Dubois qui demande, est-ce que vous avez eu des approches pour des nouveaux clubs, des villes peut-être qui voudraient avoir ou des propriétaires potentiels, là, des nouvelles équipes dans la Ligue? Je n'ai eu une demande samedi dernier. Je l'ai envoyée au propriétaire parce que dans ça, lorsqu'on fait une nouvelle demande, ben il y a beaucoup d'affaires, tu sais, il faut que tu te fasses un dépôt, puis affaires, puis tout ça. Mais par contre, la personne a juste l'information. À ce moment-là, moi, je l'ai référé à Christian Deschênes, parce que Christian Deschênes, lui, il a un budget structuré pour une nouvelle franchise. Fait que à toutes les années, quand Cornwall est arrivé, quand Berlin est arrivé, on envoie ça avec Christian, fait que lui, il parle avec eux autres. Puis là, le gars, il m'a dit qu'il avait trouvé quelqu'un pour venir avec lui, il m'a pas nommé son nom. Mais on est en contact encore, puis j'ai dit, essaie de me donner une nouvelle avant lundi, là,
parce que les propriétaires sont au courant quand même de ça. Là. Mm-hmm. Ce serait quand même intéressant. C'est ça qu'on avait dit, on ne court pas, on les laisse venir. C'est ceux-là qui ont vu notre produit sur le web ou ailleurs. Ils voient que c'est un bon produit, il y a des bons joueurs. Écoute, c'est un calibre exceptionnel. Là. Moi, je suis là depuis, comme je dis, 21 ans. Là. J'ai vu les changements dans ça. Là. Mm-hmm. Ah, ben c'est intéressant, ça. Ouais, c'est un gros scoop que tu nous dis ce soir. Mais faut. Ce que les commissaires, souvent, dans l'avenir, c'est quand il y a des choses comme ça, ils essaient quand même de garder ça mort un peu pour pas que. Oui, mais je n'ai pas nommé la ville, je n'ai pas nommé le nom. Non, je le sais, mais c'est pour ça que je te le demanderai pas. Là. Ouais. Donc, c'était ma prochaine question. Fait qu'on va passer à la prochaine. mais c'est peut-être quoi là, maintenant là, pour cette personne-là, là, X, Monsieur X, on va l'appeler, les prochaines étapes du processus là, si cette personne-là veut une équipe, là, peut-être? Bien, s'il veut une équipe, à un moment donné, mais il va falloir que lui et son adjoint puis d'autres, parce que j'ai dit, arrive pas là tout seul. Là, parce que là, nous autres, nos équipes, ils ont entre 3 puis 10 actionnaires par équipe. Si tu arrives là tout seul, là, tu passes pas à travers, à moins d'être millionnaire. Là. Mm-hmm. Fait que tu passes pas à travers. Fait que tu trouveras quelqu'un. Puis nous, ce qu'on va vérifier, ils ont-tu de l'argent? Puis c'est quoi ses connaissances dans notre ligue? Y a-tu des approches avec un directeur général, un instructeur? Puis après ça, ben là, on a... Ça me prend son dossier... voir s'il y a un dossier criminel, tout ça. On fait une étude au complet de tout ça. Puis après ça, ben là, s'il est sérieux, ben là, on va échanger 1 000 $ pour faire l'étude de tout ça. Puis après ça, ben, lorsqu'on va avoir un Zoom ou ben non, une réunion présentielle, ils vont venir présenter sa demande au propriétaire. Est-ce qu'il monte, la personne monte aussi peut-être sa solvabilité? Oui, c'est ça. Là, pour montrer qu'il y a tant d'argent, là. Oui, parce que ça, c'est quelque chose. Hein. On se fait avoir à Cornwall. Hein. Le gars, il avait de l'argent, puis il nous a fourni un document de la banque, je pense, sur Royal à Cornwall, un beau document. Puis il a fait faillite quand on est venu chercher son bon de garantie, qui est de 25 000 $. La fille a dit, il n'est pas à caisse, il n'est pas à banque avec nous autres. Il n'y a pas un dossier avec nous autres. On lui a envoyé la lettre, ben il dit, c'est notre lettre, mais c'est pas nous autres qui l'a fait. Fait que le gars de Cornwall, il avait... fait faire un faux document, puis il l'avait présenté, nous autres. Ah, ouais. Ouais. Ah, il y en a eu toutes sortes, là. Ouais. Ça, elle devait aller plus loin que ça, parce que c'est... Oui, ben oui. On l'a poursuivi. Puis, la veille d'un AGA, je sais pas si c'est à Québec, c'est à Rivière-du-Loup, l'AGA. C'est ça, AGA, le 17 avril 2012, il est arrivé, puis il nous a donné un chèque de 10 000 $ qu'il nous devait. Puis là, les poursuites étaient parties, là. Criminel. Okay. Fait que je sais pas comment ça finit, là, c'est à Cornwall, là. Okay. Mais tu sais, comme Berlin, moi, quand ça a parti, ça, moi, je suis allé à la première game, gars, là, je lui dis, on fera pas d'hockey site. Mm. C'est sûr, tu sais, aucune structure, il y avait pas de spectateurs, il y avait rien. Quand t'arrives là, puis le line-up, là, il l'a même pas pour le donner au marqueur. C'est moi qui suis allé chercher dans les deux chambres, je l'ai fait. non, je lui ai dit, ça marchera pas longtemps. Ça a pas marché, il s'est transféré après. Ça, est-ce que la Ligue s'en doutait un peu que ça allait foirer avec Berlin, puis il y avait déjà comme un petit plan en place? Parce que je veux dire, la Ligue a été chanceuse, tu sais, que Saint-Jérôme puisse tout de suite comme prendre l'équipe au rebond, parce que sinon, la Ligue tombait à 5 clubs, puis je ne sais pas si la saison aurait pu finir à 5 clubs. Les propriétaires, il y en a qui avaient vérifié, puis qui avaient des bons in, tu sais. Moi, personnellement, la première réunion, je les avais dit, touchez pas à ça. Mais moi, je suis pas propriétaire, j'étais directeur général. Ils ne touchaient pas à ça parce que moi, j'avais appelé le gérant de l'autre ligue dans laquelle ils évoluaient. Puis il dit, touchez pas à ça, les gars, ils n'ont pas une scène. Mais tu sais, les gars, ils ont voulu y aller pareil, puis on a vu ce que ça a fait. Et puis, il y a eu aussi là, Vincent Rollière à Saint-Jean qui avait présenté un projet. Il a dernièrement dit qu'il se retirait. Est-ce que tu peux nous dire des détails un petit peu sur ce projet-là? Bon, c'est un dossier que Renault avait travaillé ça, puis, avec Vincent Vallière. Puis Vincent Vallière, il était associé avec un ancien joueur robuste de Laval, boxeur, comment il s'appelle? Bossé, Steve Bossé. Fait que tu sais, je veux dire, je ne sais pas c'était quoi les capacités financières, moi, là.
Mais par contre, les approches avec la ville, il y allait bon train. Puis moi, je connais quelqu'un peut-être qui va revenir travailler dans la Ligue prochainement avec nous autres. Puis lui, il m'en a parlé de Saint-Jean-sur-Richelieu. Il dit, c'est encore ouvert, c'est une mairesse qui est rendue là, je la connais. Mais il dit, avant d'aller là, je veux savoir s'il y a du personnel à hockey. Y a-t-il quelqu'un qui connaît le hockey, un directeur général, un instructeur? Il dit, si t'arrives pas là pour dire à mairesse, on veut une équipe, mais si t'as pas personne pour la chapeauter, cette équipe-là, ça donne pas grand-chose, tu sais. Fait que Saint-Jean-sur-Richelieu, c'est pas encore mort, tu sais. On espère tout le temps, mais on va voir ce que ça va faire. Là, on va essayer de traverser la COVID. Après ça, peut-être qu'on va être plus stable dans nos décisions, là. Ouais. Ouais, on a un gros dossier à peut-être finir avant de penser peut-être à des nouvelles équipes, puis il faudrait peut-être finir la saison. Ouais. Dans les commentaires, il y a Francis Desrosiers qui a dit « Moi, j'ai adoré Berlin. » Ah oui! Je suis bien content que Francis ait aimé ça. Il n'y en a pas beaucoup qui ont aimé ça. Ah, on peut savoir pourquoi il aimait ça? Bon, ben, la question est relancée. L'argent américain, peut-être? Ouais, peut-être s'il était payé en US. Peut-être. Il y a une question aussi de Claude Cousineau. On en a parlé un petit peu en pré-entrevue. Mais Claude dit, quand les Lions Trois-Rivières viennent chercher un joueur pour un soir, il faudrait que la Ligue fasse une pub là-dessus et prouver au monde que le produit a bien changé. On en a parlé un peu que en début d'émission, là, que les gens étaient surpris un peu du produit de la Ligue. Mais depuis 21 ans que tu es là bientôt, là, qu'est-ce que tu pourrais nous dire là, sur la Ligue maintenant, aujourd'hui, là, qu'est-ce qu'elle est? Ben, moi, je veux dire, à part là, l'année 2004-2005, là, c'est qu'il y avait, des joueurs beaucoup d'Agnès nationale dans ce temps-là. Là. C'est l'année de Brashear, puis il y avait Picard, puis il y avait un ancien défenseur de Montréal qui était très fort. Je peux dire, depuis 2-3 ans, là, l'année passée, c'était fort, cette année, c'est encore un petit peu plus fort. Ils vont chercher des bons joueurs, justement, de la CHL, ben non, qui ont joué à l'Américaine, puis tout ça, puis ça fait des bonnes équipes, là. Comme je te disais tantôt, les parties, là, entre la première et la dernière position, des fois, la game a fini avec un point de différence, là, c'est pas beaucoup, là, tu sais. Mm-hmm. Je pense que le calibre est très fort, puis ça questionne la CHL. Ça fait 3 fois qu'on fait des propositions, des contre-propositions à M. Bergeron, puis il y en a eu une encore ce matin que j'ai transféré au propriétaire et au directeur général. Puis c'est sûr que nous, on veut qu'ils nous fassent une bonne publicité, qu'ils nous annoncent comme une ligne professionnelle, puis que lorsqu'il prend nos joueurs, mais qu'il y a une photo récente de son équipe dans laquelle il évolue présentement, puis qu'il y ait ses statistiques, puis il annonçait souvent qu'il vient de Rivière-du-Loup, qu'il vient de Sorel, qu'il vient de Laval, tu sais, qu'il nous fasse une bonne publicité, puis là, on a de la misère un peu avec ça. Oui, puis ça, je comprends, parce que pour les suivre sur les réseaux sociaux, à chaque fois qu'il y a un joueur de la Ligue nord-américaine, il l'annonce, c'est jamais... Non, jamais une photo avec son chandail de la Ligue nord-américaine. Tu sais, là, j'ai ça vite, là, mais tu sais, quand ils ont annoncé Olivier Hinz, OK, ils ont mis le logo, mais ça, même au début, ils ne mettaient pas le logo. Ouais. Une photo avec le chandail des Stingers. Il n'a pas joué pour les Stingers depuis 2016-2017. C'est ça qu'on lui demande, là. Mais les négociations sont ardues un peu. Parce qu'on tient à des points comme ça, là, comme celui-là qu'on vient de mentionner, là. On tient ce qui nous fait une publicité quand même, parce que... Pourtant, ça écoute rien. Puis je veux dire, regarde les stats des joueurs qui ont rentré dans son line-up de la Ligue nord-américaine, puis tu regardes les performances de l'équipe aussi depuis qu'ils rentrent des joueurs de la Ligue nord-américaine dans son line-up. Je veux dire, ils seraient mal placés pour... Je pense qu'ils ont basé un peu leur marketing justement sur amener des joueurs de la Ligue américaine. Les gens se déplacent pour aller voir des joueurs qui ont déjà un fanbase dans leur équipe. Je pense que c'est peut-être la moindre des choses qu'on rend pareil du côté des Lions. J'espère avoir répondu à sa question. Puis il y a M. Desrosiers là, qui a répondu aussi à ta question, qui dit l'ambiance de fou, électricité qui lâche dans la chambre quand on fait sécher les gants, moi qui aiguise les patins entre les périodes. Donc, bon résumé, Francis. Je pense que c'était sarcastique. Ouais. Bon résumé de ce qu'il y avait là. Et puis, ça aurait pris des studs de skidoo pour regarder la game là-bas, c'était fret. C'est pas possible. Tu as parlé aussi de 2014-2015, l'année du lockout. Il y a aussi eu des parties là, qui ont été diffusées sur RDS de la Ligue nord-américaine.
Est-ce que c'est quelque chose qui est dans les plans, là, peut-être, des parties diffusées sur un réseau là, des sports ou... La RDS, lorsqu'on on a fait affaire avec eux autres, c'est pas nous autres qui contrôlons le début de la partie. À 8 heures, les gars étaient au face-off. C'était à 8h05, face à face. Ça a fait une bataille générale en partant. Fait qu'on a fini la game à deux lignes chaque bord. Fait que c'était pas trop bon pour le produit. Puis il fallait trouver des commanditaires. Tu sais, je veux dire, on a déjà des. Chaque équipe a laissé ses commanditaires. Puis tu vois, à RDS, où tu allais chercher d'autres commanditaires pour payer RDS. Fait que ça, c'est un peu difficile. Je regarde là avec le CHL, là, écoute, ça part de Montréal, les Canadiens, ça va en descendant aux Rockets, puis ça va eux autres. Fait que tu sais, les problèmes d'argent, ils n'ont pas comme c'est là. Bon cash flow, mettons. Ouais, pas pareil pour tout, puis en télévision tant qu'ils veulent. Fait que ça. Ils sont chanceux, mais nos games, là, si TVA il passera à la télévision, ils seraient surpris de voir le calibre qu'on a. Je te dis, il n'y a pas grande différence des fois. Oui. Donc, c'est à la Ligue là, à payer RDS là, pour qu'ils déplacent une équipe. Oui, puis tu trouves des commanditaires, mais tu sais, ça coûte 50 000 faire une game, là. Tu ne trouves pas ça dans les petites villes, là, 50 000, là. Ouais. Ed Sorel va voir ça avec David, là. Je ne suis pas moi qui touche à l'argent là-bas. Je mais... pense que faire déplacer une équipe, parce que je suis au courant, là, pour être dans la place, là, puis j'ai déjà fait aussi des approches là, pour un autre circuit, mais... je pense que c'est rendu comme faire déplacer une équipe 120 000 $ puis une partie en différé en faisant venir une équipe, là, que le camion n'a pas besoin d'être là, c'est environ 30 000 qu'on doit payer là, à un réseau là, de télévision pour qu'ils viennent pour les parties. Puis qu'est-ce que tu disais, là, se trouver des commanditaires? Dans le fond, c'est la chaîne de télévision en général a... des publicités là, qui passent, mais les Renault l'a fait aussi là, avec les quatre chevaliers, si on voulait faire justement un événement, les personnes là, qui organisent comme la Ligue nord-américaine, on a ce qu'on appelle des barter, on a du temps de réserver pour des commanditaires qu'on peut aller chercher. Puis c'est justement cet argent-là là, qu'on peut... aller chercher pour pouvoir avoir des games. Parce que sur le web de notre ligue, qu'est-ce qui manque? C'est des commanditaires. Il y a un qui serait qu'il y a des commanditaires entre les périodes. C'est plutôt de regarder à Zamboni virer, j'aime bien autant voir les commanditaires. Ça, c'est le rôle de chaque organisation. On les avait dit au début d'année, allez vous chercher des commanditaires. C'est bon, c'est visible. Mm-hmm. On espère qu'on va améliorer ça. Sinon, il y a un autre truc aussi qu'il y avait eu là, 3 ans, je pense. 3-4 ans, mais c'était la série qu'il y avait eu à Z-Télé. C'était plus les éperviers qui suivaient. Je sais qu'au début, c'était Soyette Laval, mais à la fin de la saison qui avait commencé, le club de Laval c'était dissous. Après qu'il avait suivi les éperviers. Mais ça, est-ce qu'il y avait eu vent ou des approches, tu sais, parce que moi, c'était super bien fait, j'avais bien aimé ça. C'est sûr, malheureusement, je n'ai pas les codes d'écoute qu'ils ont eu à l'émission là-bas, mais il me semble que ça aurait été cool qu'il y ait, mettons, une deuxième saison de ça ou peut-être même Z-Télé. Tu sais, Z-Télé, c'est un poste qui, des dernières années, essaye d'être un peu plus comme alternatif, tu sais, être un peu plus genre, tu sais, cool. Peut-être que ça serait le genre de place aussi que notre produit pourrait. Possiblement, ce serait une avenue qu'on devrait explorer. Ouais, c'est une bonne idée, ça. Mm-hmm. Justement, j'ai regardé aujourd'hui, je pense que c'est Simon Ménard là, qui a posté dans un groupe le documentaire des cousins de Saint-Hyacinthe là, en 2004-2005. J'ai regardé ça hier, là. C'est intéressant. Mais est-ce que c'est le genre de choses là, comme des documentaires, tu sais, comme de suivre une équipe, là, des choses que la Ligue parle là, dans les réunions là, où. Entre les propriétaires? Non, pas présentement. Là, comme je te dis, c'est sûr qu'on a eu 2 années très difficiles, là, mais c'est pas venu dans les discussions. J'ai en mémoire là, quand ils ont fait un reportage à Laval pour les joueurs qui demeurent en haut du Colisée. Là. Ouais. C'est quand même, tu sais, tu vois pas ça n'importe où. Là. C'était quand même intéressant à voir. Ouais. Puis, c'est ça, on a peut-être l'accent à mettre sur ça. Mais ça prend du monde. Tu sais, nous autres, là, l'arbitre en chef, il travaille, Martin Wagner. Pierre Bertrand, il travaille au loisir de Pont-Rouge. Denis Boisvert, il travaille à repartiteur à Sûreté du Québec.
Carole Paiement, elle travaille de 7h à 4h. Il y a presque moi qui est plus disponible. C'est sûr que c'est moi qui reçois tout, là, à un moment donné. Là. Mm. Voilà. Parce qu'il y a François Riopel qui écrit dans le chat là, s'il y a une diffusion RDS, il est disponible. Donc, l'appel est lancé, François. Puis, Nick Pelletier qui dit aussi qu'il parle encore à la production qui aimerait revenir à Laval. Là, donc, nous, on sort de là, il n'y a pas de trouble. On va accueillir ça. C'est, les médias-là, c'est bien plus plaisant aussi. Mm. Mais tu sais, c'est eux autres aussi qui auraient une visibilité à donner. Je regarde des fois RDS, là, regarder la pétanque ou des affaires de même. Là. Ça me semble plaisant de nous montrer comment montrer la pétanque. Je vais parler à mon ami de qui reste à Sorel, là, qui travaille à RDS, là, Yannick Lévesque. Yannick Lévesque, oui. Ouais, c'est sûr ça dépend. Je ne sais pas c'est quand dans la journée qu'ils font jouer à pétanque. Là. C'est sûr que ça dépend des travailleurs. L'été, ils mettent ça d'affaires. Des fois, ils jouent ça. Là. Ouais. Il y a le criquet, toutes ces affaires. Des fois, la trampoline là, aussi. Ouais. Oh, il y a toutes sortes d'affaires. Mais tu sais, je me dis, nos parties, là, ils pourraient mettre de temps en temps, puis ils verraient peut-être que le monde dit, hey, c'est là-bas, mon calibre, ça, on va aller voir ça, puis ça va attirer du monde. Mm-hmm. En tout cas, moi, je fais longtemps que je suis ça, puis il y a des joueurs, c'est fort, là. J'ai vu des parties cette année, là, ça patinait up and down les trois périodes. Tu sais, je veux dire, il y a des équipes, là, Rivière-de-Loup, ça ne pratique pas, ça. Saint-Georges, ça ne pratique pas. Thetford, ça ne pratique pas. Parce que les gars viennent de loin et ils ne peuvent pas pratiquer. Mais si ça jouerait, là, comme la CHL, ils pratiquent quasiment tous les jours, ils jouent trois games par semaine, là, oh, ben là, ça changerait la game. Parce qu'en bout d'une série, hein? Oui. En termes de talent, il y a peut-être plus de talent brut dans notre ligue que dans la CHL. Là. Quand on regarde les choix au repêchage, puis certains calibres que certains joueurs ont touchés, c'est sûr qu'il y en a des fois qui sont peut-être un petit peu en fin de carrière, ils ne sont plus dans leur prime, comme on dit, mais en termes de talent brut... Regarde Pocalock l'année passée, premier scoreur de la ligue. Oui. Tu sais, il faut le faire, c'est un défenseur, quand il se met à patiner, puis il torse tout le monde, puis il donne shot, les goalers, ils n'ont pas. Mais tu sais, il n'est plus 20 ans, mais il y a du potentiel aller-retour. Puis il y en a plusieurs de même. Là. Je pense que c'est quelque chose qui est revenu aussi à travers les émissions avec nos intervenants, nos invités, nous ont dit que si les joueurs de la Ligue américaine pratiquaient à chaque jour un peu comme les professionnels là, des autres ligues, seraient probablement là, meilleur que la East Coast League. Vous parliez de talent brut. Là. Je pense que c'est quelque chose qui revient aussi. Il faut le dire aussi, la Ligue nord-américaine, on regarde une partie, on en a pour notre argent quand on se déplace, mais aussi là, sur LNH TV, là, c'est pas toutes les ligues là, qui peuvent avoir une web diffusion non plus, avec des joueurs là, quand même. On est quand même gâtés au Québec là, de revoir les des fois, les joueurs s'expatrient là, dans d'autres ligues aux États-Unis, tout ça. On a quand même la chance là, de pouvoir revoir nos meilleurs joueurs québécois dans notre ligue ici, près de chez nous. Ah, il en revient beaucoup chaque année. Puis, tu sais, c'est des gars qui ont une famille, puis sont tannés d'être ailleurs, puis ils s'en reviennent ici avec leur famille tranquille. On a que c'est des étudiants, d'autres c'est des travailleurs. Tu sais. C'est pas facile quand tu as fait ta journée de travail de 8 à 4. Là, tu montes dans l'auto ou dans la van à 4h30 pour venir jouer une game à Rivière-du-Loup. Là, c'est pas facile, mais ils le font. Je pense qu'il faut regarder ça. Des fois, on dit la première période était peut-être plate, mais regarde, là, ils ont peut-être fait 3h30, 4h de bus sans venir ici. Là. Ils voient les gens mal la première, mais attends la deuxième, pas la troisième, ça va bien aller. Ouais, c'est ça qui est. C'est ça le plus plate aussi de qu'est-ce qui était avec la pandémie, parce que non seulement. Les séries, c'est là que les équipes se renflouent, mais en tant que fan, les séries, c'est ce qui est le plus fun, parce que le calibre prend vraiment une coche en série. Oui, là, ça donne complètement. Là. C'est quasiment volé pour les partisans avoir ça à 15$, là, surtout en série. Là, je ne pense pas que les propriétaires exploitent les spectateurs avec les prix parce qu'ils font attention, ils veulent garder leur clientèle. Puis, comment qu'ils budgètent et que ça arrive pas pire d'autres là, ils ne veulent pas faire 80 000$ de profit. Là. Mais si arrive taille à la fin de l'année, ils sont bien heureux, les joueurs sont heureux, puis les spectateurs sont heureux, c'est ce qu'ils veulent. Parce que, il faut le dire, on a des propriétaires uniques. Ça travaille fort ce monde-là. Tu sais,
quand on dit qu'on a arrêté le 13 de mars pour on a recommencé au mois d'octobre, là, eux autres, là, il fallait qu'ils soient décidés pour reprendre ce risque-là. Puis là, ça leur arrive dans la face qu'on arrête. Ils n'ont pas dit on arrête, c'est fini. Non. On attend. Si on peut avoir une belle date pour commencer, on veut jouer encore du hockey. Ils sont convaincus, ces propriétaires-là, là. Je pense que les spectateurs doivent avoir de l'admiration pour les propriétaires-là. Peut-être une petite question là, en terminant, parce que là, je regarde là, l'heure, le temps file, on a encore un bilan de saison à faire entre nous. Mais Gilles, si on regarde la Ligue, qu'est-ce que tu vois là, pour le futur là, de la Ligue nord-américaine? Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on ait deux équipes de plus. Ça serait important. Parce qu'à 6, c'est fragile. S'il y a une équipe qui lâche, là, je pense que la Ligue tombe. Fait que c'est pour ça que les équipes travaillent fort pour rester. Mais c'est de trouver deux autres équipes, ça serait l'idéal. Parce que quand j'ai commencé dans la Ligue, là, en 2001, on était 15 équipes. Puis à toutes les années, on en perdait un peu. Puis là, ça fait plusieurs années qu'on est à 6. Là. Mm-hmm. Fait que moi, je pense que la personne que je contacte présentement, là, c'est ce que je veux qu'elle fasse, c'est de trouver des équipes. Puis pour je ne sais pas si j'ai le droit de poser cette question-là, là, mais les personnes qui voudraient rentrer, si peut-être là, il y en a qui sont intéressés à joindre la Ligue, combien que ça peut coûter d'adhésion à la Ligue là, pour ben, comme je te dis, pour rentrer dans la Ligue? Ben, c'est un bon de garantie de 25 000. Puis un dépôt de 1 000 pour faire l'enquête. Puis son bon de garantie, ben là, s'il nous lâche, ben là, il va perdre son bon de garantie. Mais s'il continue, ben, c'est comme je te dis, avec Christian Deschênes, qui c'est tout le temps lui, depuis plusieurs années, qui soumet les budgets aux équipes qui sont intéressées à venir. Alors, nous, on est ouverts à les aider, puis ça nous ferait bien plaisir d'en accueillir deux cette année, là, même si c'est en année de COVID, là, mais on pourrait préparer ça pour octobre 2022. Mm. Bon, c'est des bonnes nouvelles. Je pense que la Ligue regarde bien aussi, si ce n'est que de la COVID là, qui a un peu gâché les plans. Je pense qu'il y a eu un hype là, en début de saison aussi avec les signatures, les équipes. Là, il y a une équipe qui a parti le bal, puis après ça, on a suivi. Je pense qu'on était à notre siège pas mal à chaque jour à regarder notre feed là, de Facebook ou de voir les équipes là, qui allait signer aujourd'hui pratiquement. Ouais. C'est plate parce que la saison, ça allait vraiment bien depuis que c'était reparti. Les relationnistes ont un gros rôle à jouer avec Facebook pour promouvoir les bons joueurs, puis promouvoir les faits saillants de leur partie. Parce qu'il y a beaucoup de monde sur Facebook, c'est ça qui est important. Puis on dit aux équipes, on le dit souvent à Denis Boisvert aussi, faut donner de l'information au Facebook de diverses équipes. C'est eux autres qui nous nourrissent. C'est eux autres qui amènent des spectateurs par les titres qu'ils mettent pour dire hey, il va y avoir quelque chose ce soir, venez voir ça. C'est intéressant de voir ça aussi. Mm-hmm. Je pense que toutes les équipes en font aussi. Là, nous, on fait peut-être un balado, mais les pétroliers, ouais. Là, vu François et Nicolas qui ont commenté dans le chat, eux aussi, avec les pétroliers, ont un balado très intéressant, reçoivent des invités là, chaque mercredi. Oui, ils font un bon travail. Et puis, ils font un excellent travail. On peut en apprendre plus sur l'équipe, les dessous aussi de l'équipe. Les 3L, c'est la même chose aussi. Dave fait des tops, là, des jeux. Puis si on regarde là, ces jeux-là, je pense qu'on n'a rien à envier aux autres jeux. On pourrait fournir des highlights là, pour les blogs là, de beaux jeux là, pendant tout le temps. Là, à l'infini. Oh, ouais. Il y a du stock en masse. Puis, tu sais, je veux dire, aussi l'identité visuelle, là. Oui, une équipe que j'aime beaucoup, là, les 3L, les infographies, vraiment, elles sont vraiment belles. La façon que les équipes présentent aussi, tu sais, que ce soit aussi le Cool FM là, avec des fois des petites affaires qui sont drôles. Les assurantiels qui font vraiment beaucoup de concours, Sandra Géo-Poulin, qui a plein de produits là, aussi dérivés de l'assurantiel que. On va y venir peut-être plus tard là, sur les produits dérivés des équipes, mais les équipes font beaucoup de choses. Oui, puis moi, je trouve que le rapport, ben,
quand tu as un bon relationniste, mais pas juste un relationniste, mettons, qui fait le, qui fait un article ou tout ça, mais qui justement qui produit le plus de contenu possible, que ce soit des vidéos, des photos, des entrevues, peu importe. T'sais, je sais que faut quand même les rémunérer jusqu'à ces gens-là, là, parce que j'espère qu'ils ne font pas tout ça gratuitement, mais au prix que ça coûte faire ça, selon, mettons, moi, ce que j'ai fait de nombreuses années à Sarah Tracy, je pense que l'investissement en vaut le retour, là, parce que les fans, c'est ça, je parle aussi en tant que fan, mais les fans, quand on aime quelque chose comme la Ligue américaine, c'est ça qu'on veut. On veut du contenu. On veut que pendant la semaine, quand il n'y a pas de match, ben, tu sais, qu'on peut aller voir comme des vidéos de ce qui s'est passé, une entrevue, lire un article, tout ça, pour justement nous laisser accrocher. Puis nous continuer là, de pouvoir voir notre ligue, puis tout ça, justement, une ligue comme la Ligue nord-américaine, quand que tu sais, de lundi à jeudi, souvent, il n'y a pas de match. Parce que il faut garder l'intérêt pendant la semaine. C'est ça. Exact. Good. Ben, sur ces belles paroles, on va te remercier, Gilles, puis on va se souhaiter du hockey de la Ligue nord-américaine, là. Et puis peut-être, là. D'être au courant sur les développements là, à la réunion le 17. C'est bon. Sinon, okay, merci. Donc, on va te souhaiter bonne soirée. Puis merci de ton temps là, de t'avoir prêté au jeu. Puis je tiens à dire que tu fais un excellent travail là, pour la Ligue. Là, de tenir ça à bout de bras comme ça. Merci beaucoup. Merci. Merci. Bonne soirée, Gilles. Bye. Et voilà, donc, on a changé ça, Colin. Ouais, c'est intéressant. À 1 heure, c'est intéressant. On a su plein de choses, là, que, dont un scoop. En tout cas, on a un méchant scoop, oui. Il y en a qui vont être sur leur téléphone pour essayer de trouver des informations, moi, j'ai l'impression. Ouais. Mais, j'aime mieux moins en savoir, puis que ça se trame dans les coulisses, puis que ça se fasse comme du monde, que des rumeurs partent à gauche, à droite, puis que finalement, il se passe rien. Parce que c'est arrivé souvent dans le passé, qu'il y avait des rumeurs, puis tout ça, puis finalement, c'était comme pétard mouillé. Là, mais c'est le fun. C'est le fun de voir qu'il y a eu du monde qui ont rentré en contact avec la Ligue pour ça. Là. Yes. Donc, mon Dave, on va enchaîner là, avec un petit bilan de mi-saison. Peut-être là, faire le tour. On voulait faire le tour des équipes là, pour peut-être dire les faits marquants, les additions que les joueurs ont eues, peut-être les points tournants là, à travers cette première moitié de saison. Oui. On commençait peut-être avec une première équipe avec les 3L. Oui, parfait. Puis avec les 3L. Donc, tu sais, les 3L, on ne se cachera pas. C'était peut-être pas la première moitié de saison voulue. Mm-hmm. 5 victoires en 17 parties, là, c'est égal avec le Cool FM là, au 5e rang. Mm-hmm. Qu'est-ce qui est intéressant, par contre, tu sais, c'est plus pour le. Mais que la saison reprend. Là, si la saison reprend selon le calendrier. Qui était supposé avoir au début de la saison. Il reste quand même 5 parties entre les 3L et le Cool FM. On sait bien que c'est très important de ne pas finir 6e pour pouvoir avoir accès à la ronde de repêchage en séries éliminatoires, là, si jamais il y a lieu. Donc ça pourrait être une rivalité intéressante à suivre d'ici la fin de la saison. Sinon, ben, je pense que les 3L, la révélation cette année, on en a parlé, puis on en a reparlé. C'est Maxime Saint-Cyr, là, 36 points en 17 matchs, c'est plus que 2 points par match. C'est là, parce que je réécoutais. On a mis les podcasts sur Spotify cette semaine, puis je réécoutais un peu pour le fun, puis je pense que c'était le premier qu'on a fait ou le deuxième. Je réécoutais, puis je parlais de Maxime Saint-Cyr, comment il avait un gros début de saison, puis j'étais comme, tu sais, il va continuer à être bon, mais il fera pas 2 points par game toute l'année. Mais on est rendu à la moitié de l'année, puis il est encore au-dessus de 2 points par game, fait que peut-être bien qu'il va finir à ce rythme-là. Et aussi 20 buts en 17 matchs, il y a plus qu'un but par match. Fait que c'est sûr, les 3L, c'est une bonne attaque, mais le problème, c'est qu'on a accordé beaucoup de buts. Là, puis les fans des 3L, juste pour âme sensible, s'abstenir, là, mais j'ai calculé les statistiques. Puis c'est cinq matchs qu'on avait l'avance, puis qu'on l'a perdu, soit en fin de deuxième ou en troisième.
pour perdre. Plus le dernier match, ouais, j'ai mal dit, mais le dernier match aussi, avant la pause, c'était le match contre les pétroliers à Rivière-du-Loup, qui était 0-0 en troisième. Donc, c'était pas une avance perdue, mais tu sais, on était là. Puis en faisant le calcul, mettons, sur ces six matchs-là, tu en gagnes juste la moitié, mais tu tombes avec une fiche de 8 victoires et 9 défaites. Puis t'es au milieu du peloton. Là, t'es pratiquement égal avec Laval puis Jonquière. Fait que tu sais, il en manque vraiment pas gros. Puis j'ai même fait le calcul aussi, tu sais, pour juste pour voir. Puis c'est là que c'est plate pour les fans du Trois-Îles. Mais le déficit, c'est 20 buts marqués contre 40 buts accordés en troisième période depuis le début de la saison. Mm-hmm. Donc, c'est quand même moins 20 en troisième période. Puis quand tu regardes le total des 3L depuis le début de la saison, sont moins 19. Fait que dans les deux premières périodes, ils sont plus 1. Fait que, tu sais, ils marquent plus de buts qu'il y en a encore. Fait que, tu sais, c'est vraiment, c'est plate, mais c'est, je dis depuis l'année, mais tu sais, c'est vraiment ça le problème de closer les matchs. Mais tu sais, comme j'ai dit, il en manque pas gros parce que tous les matchs, ils ont réussi à prendre l'avance, comme j'ai dit. Si tu gagnes au moins la moitié de ces matchs-là, t'es 3-4e au classement, là, t'es pas 5-6e. Fait c'est qu'il en manque vraiment pas gros. Puis sinon, juste pour les points positifs, ben c'est sûr qu'il y avait des joueurs qui avaient des bonnes saisons. Là, Loïc Marcotte, il avait une bonne saison. Il avait 18 points en 14 matchs avant son séjour à Trois-Rivières. Malheureusement, il a subi une commotion cérébrale à Trois-Rivières, donc il n'avait pas joué depuis. Mais c'est encore là. Peut-être que la pause va faire qu'il va pouvoir revenir en pleine forme. Un autre joueur qui, malheureusement, avait connu une commotion cérébrale avant la pause, le capitaine Jean-Philippe Chabot. Ouais. C'est un joueur qui fait toutes les petites choses. Puis parlant de petites choses, c'est le meilleur centre sur les mises en jeu depuis le début de la saison. Il marche à 65,52% de ses mises en jeu. Donc, c'est 209 mises en jeu remportées sur 319 de la saison. C'est le meilleur centre à ce niveau-là de la Ligue. Je pense que c'est bien de le souligner. Sinon, il y a d'autres trucs qui sont intéressants. Là, Antoine Masson, il avait juste joué un match. Il a récolté 3 points dans son seul match. Il avait joué à Sarel Tracy avant la pause aussi. Sinon, quand on regarde les gardiens de but, Guillaume Dessel, il avait connu un lent début de saison par rapport à ses standards habituels, mais il avait subi une blessure au mois de novembre, puis il était revenu au mois de décembre, il a juste fait un match, mais il a 960 pourcentage d'arrêt dans ce match-là. Mm-hmm. Puis l'autre gardien qui est arrivé en milieu de saison, Éric Brassard, il a seulement 3 départs depuis le début de la saison, mais sur 2 des 3 départs, il a réussi à maintenir un pourcentage d'arrêt plus haut que 900. On manquait un peu de performance au niveau des gardiens de but au début de la saison. Ça semble, c'est pas un gros échantillon là, de match, mais ça semble vouloir s'organiser. Sinon, ben, ça va un peu en même temps avec la défensive. Là. On a rajouté par un échange Garrett Clark, il y a Francis Meilleur aussi qui a fait son retour, Zachary Borsu aussi au début de l'année qui avait été ajouté à un échange. Je pense que ça mêlé avec la progression là, de Félix-Antoine Drelet et Anthony Damo, ça fait que la défensive commence à se placer. Là. Il y a aussi un joueur qu'on ne parle pas souvent, qui est très sous-estimé, je trouve, dans la Ligue. Là. C'est Philippe Charbonneau aussi, que ça fait sa 3e ou 4e saison rendu à Rivière-du-Loup, qui est rendu comme un défenseur très fiable là, dans la Ligue. Donc, ça commence à se replacer. Puis sinon, je pense qu'ils ont fait Carl Boucher en début de saison, puis plus récemment, Fabien Dubé, là, ils ont fait un bon travail aussi parce qu'au début de la saison, on reprochait un peu le manque de robustesse à Rivière-du-Loup. On parle de JP Chabot là, qui a dû jeter les gants quelques fois en début de saison. Ouais, c'est ça. Plus on aurait voulu. C'est ça, justement, c'est sur un combat qui s'est blessé malheureusement. Mais en même temps, Jean-Philippe Chabot, c'est dans son ADN, là, c'est un leader, c'est un capitaine, fait que, il va y aller à la guerre. Là. Mais quand on parle de manque de robustesse, je pense que ça a bien été adressé, parce qu'on a rajouté Hubert Poulin, il y a Maxime Villemaire qui a fait son retour, on a signé Danick Calgaro, aussi qui est un joueur robuste, qui est un allumeur, si on veut, puis Gary Clark aussi qui est capable de jouer robuste, là, qu'on est allé chercher à la défensive. Puis on en a parlé depuis le début de l'année, mais peut-être, sait-on jamais, qu'on va avoir le retour de Sean McMorrow un jour. On l'a encore! Puis sinon, à chaque émission, on se le faisait demander, le shérif, c'est quand il revient. Non, aussi, ben, on ne sait jamais, mais il y a encore sur la liste de protection Samuel Lévesque, qui avait quelques rumeurs aussi que peut-être il reviendrait dans le giron de l'équipe. Fait que je pense qu'on a bien répondu là, au niveau des 3L, là, on a comblé ce manque-là. Il reste juste à tout transporter ça sur la glace, puis de faire un tout pendant 3 périodes et non deux.
Je pense que le gâteau pogne aussi un peu. Là. Je pense que le gâteau pogne un petit peu aussi là, avec la défensive qui est maintenant stabilisée. On a une bonne attaque. On a aussi, tu parlais de Maxime Villemaire là, qui fait son retour, mais a fait un statement aussi début décembre là, comme quoi qu'il devait en donner plus. Donc, mais tu sais, Villemaire veut marquer des buts, mais il a quand même un but 8 passes en 9 matchs. Là, fait qu'il, t'sais, il est comme à un point par match, mais on comprend ce qu'il voulait dire. Ben, c'est quand tes leaders se lèvent, là, puis que, tu sais, je veux dire, t'es tanné que ton équipe perde, je pense que c'est des choses qui sont quand même positives, là, qui, si on regarde, là, justement, tous les points que t'as donnés, on peut peut-être espérer que l'équipe se replace, là, pour la deuxième moitié de la saison. Ouais, puis c'est ça qui... Dans notre ligue, c'est ça qui est important. Il faut que le gâteau lève au bon moment. Ouais. Il est impossible pour les 3S cette année. C'est des fois, le hockey, là, c'est une question de momentum. Là, puis si tu perds ton momentum à la fin de la saison, puis tu te transportes en série, donc on ne sait jamais là, les surprises qu'on peut avoir. Mm-hmm. Donc maintenant, on fait un petit tour là, d'horizon de l'assurance de tout ça. Oui. L'assurance à Thetford Mines, que dire? C'est avant la pause, c'est 12 victoires de suite. On n'a pas perdu depuis le 22 octobre. Plus 25 pendant la séquence. Donc, ça veut dire qu'on gagne au moins par deux buts à tous les matchs en moyenne. Étienne Marcoux n'a pas connu la défaite depuis le début de la saison. Toutes les départs qu'il a fait, il les a gagnés. Assez outstanding si on regarde ces statistiques. Les statistiques des deux gardiens. Là. Ouais. Étienne Marcoux, c'est ça. C'est 931 pourcentage d'arrêt. Ouais. 1.89, je veux dire. Même dans la Ligue nationale, tu vois pas ça. Puis si tu vois ça, le gars, il gagne le Vézina, c'est assuré. C'est ça. C'est impressionnant. Ça détonne un peu du reste du top 5. Là, si on regarde. Puis il y a Philippe Cadaret aussi qui est au troisième rang. 6 victoires. En haut de 900. Aussi, 2.50, là, c'est ce qui est très bon aussi. C'est très impressionnant. Puis étonnamment, les deux seules défaites de l'assurance puis le début de la saison ont eu lieu à Thetford. Donc, ils ont perdu les deux matchs à la maison, mais ça veut dire qu'ils sont invaincus sur la route. Donc, ça aussi, c'est impressionnant. Le 15 octobre contre Sorel 2-1, puis le 22 octobre contre Rivière-du-Loup 5-3. Ouais. Au moins, ben, Rivière-du-Loup, au moins, peuvent dire ça. C'est une des deux seules équipes de la Ligue à avoir battu la Sorrentia. Puis, tu sais, sinon, ben, on parle de Maxime Saint-Cyr, mais sinon, que dire d'Alexandre Goulet? C'est lui qui est le premier marqueur de la Ligue, le premier buteur de la Ligue. Il a un but de plus que Maxime Saint-Cyr. Il a 21 buts en 17 matchs pour 28 points. Puis ce qui est impressionnant, c'est qu'on parle de la séquence de victoire de la Sorrentia, mais Alexandre Goulet est rendu à 10 matchs de suite, mine de rien, avec un but. Puis dans ses 12 derniers matchs, il a marqué dans ses 12 derniers matchs, il a marqué 17 buts dans ses 12 derniers matchs. Fait que ça, je trouve que c'est des statistiques aberrantes. Là, c'est incroyable. Sinon, un autre joueur qui, je pense, à cause d'Alexandre Goulet, passe sous silence, là, mais Marc-Olivier Mimard, il a 9 buts en 13 matchs. Depuis le début de la saison, ça aussi, c'est un très, très gros rendement. Là. Donc, un autre bon joueur, là, un attaquant qui a une bonne stature, là, qui est avec l'assurance là, depuis maintenant un bon 3-4 ans, lui aussi. Là, Alexandre Tremblay, quand même, 8 buts, 5 passes là, en 16 matchs. Oui, Alexandre Tremblay, on l'a eu en entrevue en début de saison, il trouvait que c'était plus pareil, là, qu'il avançait peut-être un petit peu moins vite, qu'il ne rajeunissait pas, mais pourtant, ses performances prouvent le contraire. Puis, sinon, on a vu beaucoup de mouvements de personnel depuis le début de la saison, mais l'assurance, eux, ont fait seulement un gros... Ils ont fait un autre petit échange. Là, c'est quelque chose qui était dans mes notes. L'échange de Mathieu Medley contre Pierre-Maxime Poudrier. Donc ça, non seulement l'assurance est allé chercher un gars de la place, mais il y a 4 buts, 13 passes... En 15 matchs avec l'assurance depuis qu'ils sont allés chercher. Fait que toute une acquisition pour Bobby Barry là, de Pierre-Maxime Poudrier. Sinon, il y a eu un petit échange là,
l'assurance qui ont acquis Wayne Letourneau, mais qui est parti depuis pour la France. Et puis, ouais. Il avait cédé à Louis-Patrice Giguère au Cool FM. Mais dans mes notes, c'est ça que j'avais écrit. Là, si on regarde au niveau de l'assurance, c'est, on a misé sur la stabilité. Là. Si les ouais. autres équipes ont fait beaucoup d'échanges, l'assurance a misé beaucoup sur la stabilité. Ouais. Puis sinon, ben, il y a eu la. C'est quand on parle des ajouts cette saison, ben, il y a eu Alexandre Goulet, il y a Nicolas Larivière qui a très bien fait aussi. Étienne Boutet, qui, quand on regarde ses statistiques, il y a 0 point en 11 matchs, le défenseur, mais. Pour l'avoir vu jouer, là, c'est un jeune défenseur qui est très fiable. Donc, même s'il ne paraît pas sur la feuille de pointage, il fait toutes les bonnes choses en défensive. Puis c'est un défenseur défensif très fiable. Il y a aussi la signature de Guillaume Lépine, gros défenseur robuste. Ouais. Ça, pas, ça, je ne suis pas sur la glace, mais ça n'a pas l'air le fun de jouer contre Guillaume Lépine. Fait que c'est une bonne acquisition aussi. Ouais. Puis, tu sais, j'ai essayé un peu, juste pour le fun, tu sais, d'essayer de trouver comme des points à améliorer. C'est dur à faire parce que c'est quasiment le club parfait depuis le début de l'année. Même du côté là, des hommes forts, là, Thomas Belmore, c'est un qui gagne pas mal tous ses combats. Moi aussi, tu sais, fait que même ça, c'est ils ont une très bonne toughness d'équipe aussi, l'assurance. C'est un club que, tu sais, à chaque fois qu'il se passe de quoi, tu sais, Tremblay, Lausier, Ratel... Belmore, Guillaume Lépine, c'est tous des gars qui, même Colin Larivière, c'est tous des gars qui n'hésiteront pas à rentrer dans le tas non plus. Gabriel Lemieux aussi. Les seules choses que j'ai trouvées, que j'ai réussi à trouver, là, dans le fond, ben, premièrement, l'assurance, c'est étonnant, là, mais ils ont le pire avantage numérique de la Ligue. Donc, on sait, en séries éliminatoires, ça se resserre à 5 contre 5, c'est pour eux de marquer des buts. Les avantages numériques prennent peut-être un petit peu plus de place quand on réussit à aller marquer sur l'attaque à 5. C'est peut-être quelque chose à corriger d'ici la fin de la saison. Ça va peut-être avoir plus d'impact en série que ça en a présentement. Sinon, je trouve aussi qu'on a une très, très bonne défensive. On est quand même mince niveau profondeur, dans le sens qu'on est à une ou deux blessures d'un défenseur qu'on se retrouve. T'sais, la liste de défenseurs de l'assurance est quand même courte. Parce qu'après, on a Pierre-Luc Lessard, Dylan Labbé, Tommy Lafontaine, Gabriel Lemieux, Étienne Boutet, Guillaume Lépine. Puis après ça, on tombe un peu sur les remplaçants. Sylvain Dufresne qui tient encore son épingle du jeu, mais qui est passé la quarantaine. Puis après ça, on tombe à Nicolas Dumoulin et Gabriel Sylvestre qui ensemble ont juste 6 matchs de jouer depuis la saison. Puis il y a Thomas Belmore aussi qui peut donner un coup de main. Mais c'est peut-être le seul endroit, je dirais, que l'assurance est peut-être en danger dans le sens qu'on ne souhaite jamais ça, mais une blessure, ça pourrait faire mal. Sinon, c'est l'équipe qui a la moyenne d'âge la plus vieille aussi de la Ligue. Donc, ça aussi, c'est on sait jamais en série, peut-être qu'il y a des joueurs qui vont s'essouffler. Mm-hmm. Peut-être que la pause aussi, ça va leur être bénéfique pour recharger la batterie de certains joueurs. Mais des fois aussi, je ne le sais pas non plus, parce que des fois, c'est le contraire. Des fois, les vétérans, mais plus la saison avance, plus ils trouvent leur aise. Donc, on verra, mais c'est des trucs à regarder, là, mais pour vrai, il n'y en a vraiment pas beaucoup, là, des points faibles pour l'assurance. Là, c'est assez impressionnant ce qu'ils ont fait depuis le début de la saison. Donc, si on va maintenant peut-être du côté du Marquis de Jonquière. Oui, mais le Marquis de Jonquière, dans le fond, qui sont quatrième présentement, à un point, je pense, de Laval. Donc, quand même un bon début de saison, malgré les circonstances pour... ouais, c'est ça, effectivement, un point. Ouais. Donc, quand même un bon début de saison, malgré les circonstances. Là, j'ai regardé, il y a quand même beaucoup de blessures pour le Marquis de Jonquière. Fait que s'il y a une équipe pour laquelle, disons, la pause COVID qui nous a été imposée pourrait être bénéfique, ce serait probablement le Marquis parce que ils ont eu beaucoup de blessures. Ils ont dû utiliser 34 joueurs depuis le début de la saison pour combler les différentes blessures. Quand on regarde les joueurs d'impact, là, j'ai fait le calcul, là, ben j'allais checker ça, là, mais il y a Alexandre Picard, Yannick Riendeau, Philippe Paradis, Mathieu Brisebois, Danick Gauthier, Louis-Philippe Simard, Félix Petit, tous ces joueurs-là ont manqué minimum 3 matchs depuis le début de la saison. Yannick Gauthier a seulement joué que 6. Ouais, c'est ça. Puis il connaissait un très bon début de saison. Là. Ça, c'était une des grosses signatures là, qu'il y avait eu là, dans saison morte pour le Marquis. C'est ça. Là, il y a beaucoup, malheureusement, ils ont eu à faire affaire avec beaucoup de blessures. Sinon, quand on regarde au niveau de la production, là, Alexandre Picard, il y a beaucoup de bons buteurs dans la Ligue, là, mais Alexandre Picard a 13 buts en 14 matchs.
22 points au total en seulement 14 parties pour Alexandre Picard. Connaît une saison vraiment incroyable. Ce n'est un autre là, avec Sacha Pokulok, qui est les deux seuls, je pense, choix de première ronde de la Ligue nationale qui sont dans notre ligue. Puis on voit pourquoi. Philippe Paradis aussi qui est en Ah oui, Philippe Paradis, tu as bien raison. Donc, on voit pourquoi. Parlant de Paradis, ben, c'est lui le deuxième buteur des Marquis qui a 6 buts. Donc, quand même, une petite différence entre le premier buteur puis le deuxième. Là. Mais il y a quand même plusieurs joueurs qui ont contribué au niveau des Marquis. Mm-hmm. Sinon, on a parlé beaucoup de Kevin Veilleux. Ça a fait beaucoup jaser, ça aussi, avec l'échange de Kevin Veilleux. Ouais. Avant le break, il commençait à trouver son aise, on aurait dit, parce qu'après, il y a eu une séquence de 9 matchs sans faire de points avec Saint-Georges puis à ses débuts à Jonquière. Mais il a quand même récolté 3 points dans les 2 derniers matchs. Donc peut-être qu'il commençait à se remettre sur le bon chemin. Là, on sait que Bob Desjardins a dit qu'il est arrivé peut-être pas aussi en forme qu'il aurait voulu, mais que là, justement, il est en train de se remettre en forme, d'aller au gym régulièrement là, dans la semaine entre les matchs. Donc peut-être c'est ça qui faisait que ça commençait à débloquer pour lui. Puis sinon, je pense qu'au niveau de Jonquière, là, le seul, c'est pas un problème, mais au début de la saison, on cherchait peut-être un peu de stabilité devant le filet. On avait Carré Saint-Laurent pour commencer la saison, mais on n'était pas trop sûr là, au niveau du deuxième gardien. Puis là, ben, Émilien Boily qui semble faire un très bon travail. Ça, il y a seulement 6 départs encore dans la Ligue américaine, donc peut-être que t'sais, tous les clubs maintenant, surtout avec l'accès aux vidéos, c'est facile là, de faire du coaching, puis peut-être voir un peu s'il y a des points faibles, tout ça. Fait que ça reste à voir s'il va réussir à continuer, mais il y avait une très, très belle... très, très belle fiche là, depuis le début de la saison. Je sais qu'on est allé chercher avec la casse aussi là, parce qu'on voulait plus de profondeur. Donc, ça va être à voir si Bob Desjardins va trouver la combinaison gagnante là, avec ses gardiens devant le filet là, d'ici la fin de la saison. On a fait des ajouts. Là. Yannick Riendo, Francis Charette aussi là, qui a été signé. Donc, comme tu as dit... S'il y a une équipe là, qui pourrait surprendre, c'est peut-être le Marquis parce que ça va donner le temps à quelques joueurs de pouvoir se remettre de leurs blessures et puis on va revenir plus fort. Et puis, Bob Desjardins qui nous a tenus en haleine, là, justement, on parlait des nombreux échanges. Il y a eu beaucoup d'échanges aussi du côté de Jonquière. Effectivement. Puis, dans le fond, je pense que sur papier, Jonquière, c'est quand même un des meilleurs clubs de la Ligue. Là. Quand on regarde juste l'alignement sur papier, il s'agit juste de réussir à mettre tout ce beau monde-là en uniforme en même temps. Ben, tu parles là, que la Surancia sont bons partout. Je pense que le Marquis aussi, là, tant au niveau de la robustesse là, avec les Malouins, un gars comme Verpas aussi capable de mettre le feu aux poudres. Ils ont des bons marqueurs là, en Picard, Gauthier, Riendo, Charette. Véropol. On est allé. Comment? Ah, Véropol. Véropol aussi, ouais, sans oublier Véropol. La défense aussi, là, Brisebois. On est allé chercher aussi c'est Novosad aussi qu'on est allé chercher. Ouais, Novosad. Olivier Dallaire aussi qu'on est allé chercher. On parlait aussi de robustesse à défensive. Un défenseur qui était convoité, je crois, il a changé 4 fois de club depuis le début de la saison. Il y a quelqu'un qui s'est promené. Donc, ça, c'est à suivre pour les Marquis, mais ça regarde bien. Oui. Si on regarde du côté du Cool FM. Oui, donc le Cool FM, c'est plate. On n'a pas notre ami Yannick pour parler avec nous. C'est sûr que le Cool FM... c'est présentement, malheureusement, sont égales au 3L au classement pour le 5e rang, donc 5e et 6e. Au niveau du Cool FM, c'est très étrange parce qu'ils ont le meilleur avantage numérique de la Ligue et le meilleur désavantage numérique de la Ligue. Donc, clairement, il y a une partie du système de Serge Forcier qui fonctionne. Parce qu'on sait, les coachs aiment beaucoup ça, travailler les avantages numériques puis les désavantages numériques. Mais faut croire que le problème est à 5 contre 5. Parce que si on suit à ce qu'on regarde sur les statistiques, c'est clairement là le problème. Donc, c'est de trouver la façon de produire à 5 contre 5.
parlant de Yannick Tifu connaît quand même une superbe saison. Là. Ouais. 27 points en 17 matchs. Donc, deuxième pointeur de la Ligue. Deuxième ou troisième, je pense, troisième pointeur de la Ligue. Ouais, c'est ça, troisième. Troisième, 9 buts, 18 passes. Donc, une très bonne production pour lui. C'est là un peu, par contre, qu'on voit le problème à l'attaque au niveau du Cool FM, parce que Yannick Tifu a 27 points. Par contre, le deuxième pointeur de l'équipe, qui est Anthony Verret, a 15 points. Donc, je pense que c'est là, je pense qu'il faudrait que le reste des joueurs en produisent un peu plus à l'attaque. Mmh. On a quand même fait des bons ajouts à l'attaque. Là, il y a la recrue, Pierre-Luc Veillette, qui a 6 buts. L'ajout, c'est qu'on a Lyon, qu'on est allé chercher aussi, ouais. De Rivière-du-Loup. Réaume. Effectivement. Réaume aussi, qui a 5 buts là, depuis son arrivée. 5 buts en 12 matchs, je pense, depuis son arrivée, ce qui est quand même une bonne récolte. Donc, c'est ça, là, c'est juste de trouver une façon que le reste des joueurs puissent s'en donner un peu plus. C'est sûr que un peu avant la pause, il y a eu le retour de Raphaël Maheu, qui est quand même un des deux premiers défenseurs là, à Saint-Georges. Là, donc, ça aussi, ça va faire beaucoup de bien. Ça, c'est un autre club. Saint-Georges, j'ai en compilant les statistiques, peut-être besoin d'un petit peu plus de stabilité devant les buts. Parce que les gardiens ont eu des bonnes séquences, mais ont eu des moins bonnes séquences. Je pense par exemple Sébastien Auger. Ben ça, c'est dur parce qu'il arrivait dans la Ligue. Là. Mais tu sais, au début de la saison, on en parle un peu, Sébastien Auger, quand est-ce qu'il va se lever, qu'il va produire. Mm-hmm. Ben, quand on enlève les trois premiers matchs de la saison à Sébastien Auger, il y a une fiche de 902 en pourcentage d'arrêt. Donc, c'est vraiment les trois premiers matchs de la saison qui on veut qu'il gâche sa fiche en général, là, parce que depuis ce temps-là, je pense qu'il a retrouvé ses repères et qu'il fait de la bonne job. Mmh. On a fait de garder les buts à la maison aussi. Ouais, c'est vrai, les trois premiers matchs, c'était tout sur la route. C'est vrai, on en parlait aussi quand est-ce qu'il allait garder, mais peut-être c'est ça lui prenait de commencer à garder les matchs à la maison. Puis, c'est un peu la même chose pour Raphaël Girard, parce que Raphaël Girard, il y a une séquence de trois matchs de la mi-octobre à la fin octobre. Parce qu'il y a eu vraiment trois matchs, on va se le dire, vraiment pas bon. Puis si on enlève ces trois matchs-là, ben, lui aussi, il se retrouve avec pas mal les mêmes statistiques. Donc, encore une fois, je fais la même comparaison que j'ai faite avec les 3L, mais tu sais, c'est 6 en tout contre-performance-là des gardiens, mais gagnant la moitié, puis tu es égal avec Laval et Jonquière aussi. Okay. Du côté du Cool FM, là, on n'a pas gagné aucun match contre la Surancia. Ça l'a fait mal. On parlait de Rivière-du-Loup, là, les trois premiers matchs de la saison, ça a été une défaite pour Rivière-du-Loup. Et au quatrième, c'était contre le Cool FM. Rivière-du-Loup avait gagné 9-4 contre le Cool FM. Donc, c'était une des deux grosses parties là, que ça n'a vraiment pas bien été du côté du Cool FM. Une défaite de 10 à 3 aussi. Aussi, justement. Donc, c'est peut-être aussi, il y a des matchs là, que justement, c'est 2 à 1, puis d'autres matchs là, qu'on joue vraiment bien, puis d'autres qu'on dirait que c'est pas la même équipe qu'on voit sur la glace. Donc, peut-être que on a eu beaucoup de nouveaux joueurs aussi du côté du Cool FM. Ouais. Donc, il faut de leur côté aussi peut-être que le gâteau pogne. Effectivement, surtout à la défensive aussi. C'est peut-être ça aussi qui a peut-être expliqué les contre-performances des gardiens. Là. Si on a rentré Bruno Cardoni, Alexandre Gosselin. Les tourneaux est parti. C'est ça. Puis sinon, l'autre chose au Cool FM, je pense qu'il y a peut-être un petit manque de toughness, parce qu'on l'a vu depuis le début de l'année, si Dave Hamel et Simon Desmarais ne sont pas dans le line-up. Desmarais a été suspendu un petit bout. Hamel, malheureusement, a été blessé. Il avait aussi manqué le premier week-end de la saison à cause que sa copine avait donné naissance. J'ai compilé juste pour le fun parce que ça m'intéressait. Parce que tu sais, le monde en parle souvent. Ben, qu'est-ce qu'apporte Dave Hamel? Il peut pas patiner de tout ça. Ben, veut pas, là. Puis vous irez vérifier. J'ai fait ça avant le show tantôt, là. La fiche du Cool FM avec Dave Hamel dans le line-up, c'est 4 victoires, 5 défaites. La fiche du Cool FM avec Dave Hamel, quand il est pas dans le line-up, c'est 1 victoire, 7 défaites. Que vous en tirez les conclusions qu'on en veut, que vous voudrez, là, mais veut pas,
d'avoir le gros bonhomme assis sur le banc pour encourager les gars puis aller les défendre quand, quand ça brasse, ben ça, définitivement, ça a un impact parce que c'est le jour et la nuit entre les deux fiches. Là, fait que je pense que c'est intéressant comme point à apporter, là, je trouve. Bon, surtout si tu veux, Dave, après le show, tu reprends là ce petit extrait-là, là, puis ouais. Tu fais ça au secteur général de la Ligue. Ouais. Donc, quand on se demande là, si les hommes forts, là, qu'est-ce qui amène à une équipe, tu vas pouvoir dire « play the clip ». Oui. Ouais. Sinon, un autre avantage, c'est quand on parle un peu de grit ou de toughness, là, ben, selon ce qu'on s'est fait dire au début de l'année, ben, au retour de la pause, ben, William Breton devrait aussi pouvoir jouer pas mal tous les matchs. Donc, ça aussi, là, c'est un petit bousille d'allumage pour le coup, le FM. Là. Je sais que les partisans l'apprécient beaucoup puis que c'est un joueur qui apporte beaucoup d'énergie. Donc, ça aussi, ça pourrait être un plus. Donc, du côté des pétroliers du Nord. Oui, donc... Pétroliers du Nord de Laval. Donc, troisième au classement. C'est quand même un bon début de saison. Troisième. Il y a quand même beaucoup de changements en début de saison. Je pense que c'est sûr, ça a pris un peu plus de temps avant que ça pogne parce qu'on a amené beaucoup de nouveaux joueurs, surtout à la défensive. On est allé chercher Dominique Talbot-Tassi, Mathieu Medley, Yann Sauvé. Donc, c'est pratiquement la moitié de la défensive là, qu'on a remplacée en début de saison. Ouais. Qu'il a fallu tout remodeler ça. Puis, c'est aussi, on a ramené David Bastien, c'est avec l'échange avec les Marquis. On est aussi allé chercher Marco Charpentier, qui a joué, je pense, deux matchs avec le Laval. Mm-hmm. Donc, ce sont un peu les ajouts qu'on a faits. Sinon, une petite statistique, si on parle, je ne sais pas à quel point ça s'applique dans la ligue nord-américaine, là, mais tu sais, quand on parle de sophomore slump, là, ou la gig de la deuxième année, ben, je trouve ça intéressant. Il y a quand même Nicolas Poulin puis Brandon Hamelin qui avaient connu un bon début de saison. Mais Nicolas Poulin, c'est 2 buts, 3 passes lors des 14 derniers matchs. Puis Brandon Hamelin, c'est 1 but, 2 passes lors des 8 derniers matchs. Donc, je pense que c'est peut-être 2 joueurs qui se cherchent présentement pour le Laval, qui sont 2 joueurs clés dans l'attaque de Laval. Mm-hmm. Ça explique peut-être aussi pourquoi Laval est l'équipe qui a marqué le moins de buts depuis le début de la saison. Dans la Ligue nord-américaine. D'avantage numérique, on parlait d'équipes là, qui ont un gros power à l'attaque. Laval, je pense que c'était l'équipe qu'on voyait peut-être pour marquer le plus de buts cette année. Puis au contraire, c'est ça, sur papier. Là. Donc, c'est ça, je pense que c'est le talent est là. D'après moi, c'est juste une question de peut-être retrouver la confiance. Il y a un autre joueur aussi qui en arrache aussi. Danick Paquette, veut pas, il y a 1 but en 13 matchs depuis le début de la saison. C'est un gars qui avait marqué 14 et 16 buts dans ses 2 saisons à Jonquière. Donc, on le sait que c'est un buteur. On sait qu'il est capable de la mettre dedans. Lui aussi, c'est peut-être une question de confiance dans sa nouvelle équipe, de juste retrouver la touche. Je pense que c'est ça, peut-être, qui explique un peu les déboires offensifs. Puis aussi... peut-être un petit peu plus de stabilité dans l'alignement, parce qu'on sait des fois Laval, quand ils vont jouer à Jonquière ou à Rivière-du-Loup, c'est peut-être pas tous les joueurs qui y vont, mais il y a quand même plusieurs joueurs, là, quand on regarde la fiche là, sur le site, des joueurs qui ont joué peut-être un 2, 3, 4, même 5 rencontres avec l'équipe, qui sont pas, je dirais, des joueurs réguliers dans l'équipe, mais qui ont joué quand même un bon nombre de matchs, là, quand on parle de 2, 3, 4 matchs, puis que c'est pas mal tout 0 but, 0 passe. Fait que ça aussi, je pense, c'est d'avoir un petit peu plus de stabilité dans l'alignement, ce qui fait que les joueurs de troisième et quatrième ligne soient toujours des joueurs qui vont produire là, dans l'alignement, au lieu que ce soit des joueurs peut-être qui vont produire un peu moins. Je pense que ça aussi, ça pourrait aider grandement l'équipe là, à aller chercher plus de buts. Sinon, sur le côté positif... Il y a des ajouts, on a parlé de l'ajout d'Yann Sauvé aussi, défenseur. Oui, c'est un gros ajout, là, un joueur qui a touché à la Ligue nationale, là, donc un gros défenseur, il patine super bien. Donc c'est aussi ça, c'était probablement le plus gros ajout là, de Laval depuis le début de la saison. Puis si on veut y aller positivement,
On a parlé un peu de qu'est-ce qu'il n'allait pas. Il y a Maxime Massenauer. Lui, c'est 19 points, ses 12 derniers matchs. Donc, lui aussi, il était sur une très belle séquence. Même chose pour Francis Desrosiers. Je ne sais pas s'il nous écoute encore. Mais 11 points à ses 8 derniers matchs avant la pause aussi pour Francis Desrosiers, le capitaine qui va bien. Puis Sacha Pokola, qui est encore une fois le meilleur défenseur offensif de la Ligue. Là. Sacha Pokola, qui a déjà 7 buts depuis le début de la saison. Le deuxième défenseur avec le plus de buts, c'est Victor Beaulac. Des éperviers avec 4. Fait que, dans le fond, Bokula, qui est de loin le défenseur encore meilleur offensivement. Puis, l'autre chose que je voulais apporter, c'est que Laval ont une fiche positive sur la route, donc plus de victoires que défaites, mais ils ont une fiche de 3 victoires et 5 défaites au fameux House of Pain. Donc, au Colisée de Laval. Donc, ça aussi, je pense que c'est quelque chose que Laval va vouloir changer. Là, on le sait, on aime beaucoup jouer à la maison du côté de Laval. On a des bons partisans, des partisans qui sont bruyants. Fait que je pense que de réussir là, à trouver la recette gagnante à la maison, je pense que aussi, ça va être probablement un début là, de Laval d'ici la fin de la saison. Là, pour en donner peut-être un peu plus aux partisans, au House of Pain. Puis il y a l'ajout aussi de Justin Doucet là, qu'on n'a pas parlé, mais qui amène une touche aussi. Là. C'est un gars qui est capable de d'allumer les étincelles, de se battre aussi, mais c'est l'intensité aussi que ce joueur-là peut amener dans le jeu. Oui, effectivement, le genre de joueur qui fit, disons, avec la mentalité à Laval. Donc, un gros bonhomme qui est capable d'énergie, qui est capable de frapper. C'est un bon joueur pour jouer. Disons, sur la troisième ligne ou comme les deux joueurs de quatrième ligne, si on veut. Donc, je pense que ça aussi, c'est un bon ajout de Laval là, depuis le début de la saison. Encore là, c'est un but une part, je pense, à 14 matchs, Justin Doucet. Donc, peut-être là aussi, là, on aimerait en apporter un peu plus offensivement. Mais il a marqué son premier but au dernier match avant la pause. Donc, le match là, à Rivière-du-Loup qu'on a parlé tout à l'heure. Donc, peut-être que c'est ça qui va le faire débloquer là, d'ici le reste de la saison. C'est peut-être le début de saison là, des pétroliers qui a fait mal un peu l'instabilité, les nouveaux joueurs, les joueurs qui étaient partis, la défensive là, qu'on a eu à reconstruire. Je pense que dans les dernières semaines, là, avant qu'on soit arrêté, on voyait beaucoup de positifs là, du côté des pétroliers. Ouais. Je pense que c'est une équipe là, que si on regarde la trajectoire, là, et, dans une pente ascendante. C'est un peu aussi comme Jonquière, là, c'est le genre de club que met tout l'alignement complet, pas de blessure, pas d'absence sur papier. C'est pas mal un des top alignements de la Ligue aussi. Là. Fait que aussi, c'est peut-être juste de trouver de la stabilité. Sinon, sait-on jamais aussi au retour, verront peut-être John Mirasty. ouais, on l'attendait aussi pour janvier. Là, on verra bien, mais ça aussi, ça va être à suivre. Si on cherche là, un hype là, pour quand le hockey va reprendre, là, ça l'aiderait à créer un engouement aussi de le revoir. Oui, ça c'est sûr et certain. Là, que j'espère que s'il se présente, que l'aréna va être plein à Laval ou au maximum de la capacité permise lorsqu'il sera de passage. Donc, je pense que M. Desrosiers est content de notre résumé. Les boys et ça fait plaisir. Merci. Donc, on y va maintenant avec les éperviers, mon Dave, ton équipe. Oui, donc les éperviers, ça va bien plus la saison. Deuxième au classement. Je pense qu'on peut difficilement demander mieux. Si on regarde là, avant la pause, une petite série de 3 défaites. Peut-être pas sur quoi on aurait voulu quitter. Par contre, il y a deux de ces matchs-là, c'était contre Thetford Mines. On le sait bien, Thetford Mines, la séquence sur laquelle ils sont. Et les deux matchs se sont terminés par un but. Donc, contre Thetford Mines, donc on a quand même, les éperviers ont quand même réussi à tenir tête là, à l'assurantia, même si malheureusement, on n'a pas réussi à gagner. Là, mais c'était deux matchs très serrés. Deux excellents matchs d'ailleurs. Là, le calibre était extrêmement relevé dans ces deux matchs-là. Si on regarde du côté des éperviers, seulement un échange depuis le début de la saison. C'est l'échange de Dominique Talbot-Tassi qui a quand même permis aux éperviers d'aller chercher Gabriel Bilodeau. Donc, je pense que c'est un peu une révélation là, à la défensive Gabriel Bilodeau depuis le début de la saison à Sorel-Tracy.
un très, très bon défenseur offensif. Là, c'est 12 points en 14 matchs depuis son arrivée à Sorel Tracy. Est capable là, d'être le général, si on veut, lors de l'avantage numérique à la pointe. Donc, c'est pas facile à trouver, ce genre de joueur-là, depuis que Louis Mandeville avait pris sa retraite là, à Sorel Tracy. On avait un peu de misère là, à trouver ce joueur-là, là, à le remplacer. Donc, je pense que Gabriel Blodeau est capable de faire ce travail-là. Sinon, je pense que l'histoire un peu à Sorel Tracy, c'est les nouveaux joueurs que Christian Deschênes a réussi à apporter à l'équipe là, qui font vraiment le travail. Donc, on parle devant le filet, c'est Dominique Graham. On est allé chercher Antoine Wakehead, l'ancien du Rocket de Laval, Olivier Hintz, qui avait déjà joué un petit peu avec les éperviers, qui est revenu d'Europe. Puis Gabriel Paquin-Boudreau, qu'on a réussi à acquérir lors d'un échange. Donc, ces quatre joueurs-là là, qui ont un très, très gros impact depuis le début de la saison. Donc, je pense que c'est vraiment là que les éperviers ont réussi à aller chercher, si on veut, le edge qui font qu'on réussit à être deuxième présentement. Puis sinon, la première ligne des éperviers, la ligne de Olivier Hintz, André Bouvet-Morissette et Gabriel Paquin-Boudreau. Depuis le début de la saison, je pense que c'est la ligne qui fait le plus de dommages. Là. C'est 31 buts en 19 matchs pour ces trois joueurs-là. 74 points, ces trois joueurs-là ensemble. Ils sont tout le temps... On dirait à chaque fois qu'il y a un but, c'est assister des deux autres et vice-versa parce que sont quatrième, cinquième et sixième comme marqueur de la Ligue, donc ils suivent de tout près, puis à peu près le même nombre de buts, je pense que c'est 13 Olivier Hintz, 10 Paquin-Boudreau, puis 9 Bouvet-Morissette ou quelque chose comme c'est ça. C'est 8 Bouvet-Morissette, c'est ça, fait que tu sais, c'est super équilibré, chacun est capable de créer de l'offensive puis de finir en marquant des buts, donc c'est vraiment une belle... Sorel est quand même à trois lignes là, qui sont capables de marquer des buts. Drolet, Gadouri aussi. Étienne Brodeur n'avait peut-être pas commencé la saison comme il aurait voulu, là, mais si on regarde ses statistiques maintenant, il est rendu à 6 buts, 9 passes, 15 points en 19 parties. Donc, il s'approche du 1 point par match aussi. Ouais, donc, mais c'est ça depuis les récents, si on veut déboire des éperviers. Je pense que c'est un peu ça là, quand. Le problème depuis la saison, c'est que quand la première ligne ne marche pas, c'est là qu'on a de la misère à gagner du côté des éperviers. Donc, je pense que ça va être, au reste de l'alignement, d'être capable de prendre la charge des fois là, quand l'autre équipe va réussir à contrer la première ligne. Là, je pense que c'est ça qui va faire que les éperviers vont pouvoir continuer à gagner, puisque je pense que c'est ça un peu qui manque là, depuis le début de la saison. C'est peut-être l'apport de la deuxième puis la troisième ligne. Pas qu'ils ont mal fait, mais peut-être d'être un petit peu plus constant pour justement épauler la première ligne quand ça va un petit peu moins bien. Sinon, à la défensive, c'était pas mal tout ça que les gens avaient identifié comme étant la faiblesse des éperviers depuis le début de la saison. Mais depuis le début de la saison, on a rajouté Gabriel Bilodeau et Sébastien Rioux là, qui joue à temps partiel, mais qui pourrait être là pour les séries. Jonathan Paiement aussi, même chose qu'on a rajouté. Même Maxime Robichaud qui a joué un match avant la pause, qui peut-être pourrait être dans la même situation. Donc, je pense que grâce à ça, là, les éperviers ont réussi à aller chercher la profondeur à la défensive qui leur manquait. Puis avec les deux gardiens qui sont en arrière, là, le duo de Dominic Graham puis Marc-Antoine Gilina, je pense qu'on a un très solide duo là, à Sorel Tracy. Fait que je pense que ça, c'est de bon augure. Puis aussi, on parlait des hommes forts tantôt, là, avec le duo d'hommes forts qu'on bénéficie à Sorel Tracy avec Gabi Rock et David Lacroche. Ouais. Là aussi, on est bien nantis, disons, là, à ce niveau-là. Ouais. Donc, sinon, l'autre chose, un peu dans la même direction que Laval, on a une super fiche sur la route, les éperviers, 7 victoires, 3 défaites, mais c'est 4 victoires et 5 défaites à la maison. Donc, on a plus perdu à la maison qu'on a gagné. Donc, ça aussi, je pense que c'est quelque chose là, que les joueurs et l'équipe là, vont vouloir corriger, j'imagine, en deuxième moitié de saison, là, de réussir à aller chercher des victoires, non seulement sur la route, mais à la maison aussi, là, pour faire le plus possible plaisir aux fans qui viennent appuyer l'équipe. Oui, je sais qu'il y a une partie qui était à domicile aussi, c'était contre le Cool FM là, que les appareils, au mois d'octobre, on se sont inclinés.
mais on dirait que certaines parties là, dans les derniers temps, là, que c'est... Dave Hamel jouait cette game-là, c'était pour ça. Chez les éperviers, c'est ça, ces quelques parties-là dernièrement, là, que on sentait, on dirait l'équipe flat, là, je ne sais pas, ouais. Dans les derniers temps. Ouais, c'est un peu ça, tu sais, on joue bien défensivement, ça nous permet de toujours être dans le match, mais c'est ça, quand la première ligne ne fonctionne pas, on a de la misère à aller chercher un peu plus d'offensive. Ouais. Je pense aussi, mettons, à un vétéran comme David Massé qui a mis un peu de temps à se mettre en marche. Ça allait bien dans les derniers matchs, mais lui aussi, ça a pris quelques matchs avant de réussir à, si on veut, à trouver le fond du filet. Mm-hmm. Donc, lui aussi, là, c'est le genre de joueur qui se mettent en marche, comme Étienne Brodeur, comme Kevin Gadoury, tout ça, ben, je pense que les éperviers vont avoir une attaque dévastatrice, ont le potentiel pour avoir une attaque dévastatrice. Yes. Donc, ça conclut, je crois, ce bilan de mi-saison. Là. Reste à voir on va reprendre les activités pour la suite des hostilités. Qu'est-ce que je propose, c'est qu'on aille là, aux petites vidéos là, des jeux de la mi-saison. Mais restez avec nous parce qu'après la vidéo de la mi-saison là, des top jeux, on va y aller là, avec la nouvelle formule. On le sait, on n'a pas de hockey. Donc, nous, on était là avec vous chaque semaine pour parler là, des matchs, faire comme un peu un magazine, parler des nouvelles. En ce moment, là, il n'y a pas beaucoup de nouvelles. On le sait, on n'a pas de match. Donc, on a essayé là, de trouver une nouvelle formule pour essayer vraiment revenir avec vous, avoir quelque chose à dire. Mais je crois que vous allez aimer ça. Restez avec nous et on revient dans quelques instants. Il va céder sa place à Alexandre Tremblay. Poudrier toujours avec le disque. À Tremblay, seul devant le gardien. Sabine, le but! Alexandre Tremblay! Pour Wattier. Laisse à la break à 2-2 alors que Goulet tente de se démarquer. C'est fait, il s'amène seul, le tir, et c'est le but! Alexandre Goulet qui nivelle la marque très rapidement. On va remettre Tifu. Tifu va revenir sur ses pas. Et il va décamper. Ligne rouge, ligne bleue avec la vitesse. Yannick Tifu tire. Hey! Wow! Quel éloi! On a donné le but. Yannick Tifu. Et le long de la rampe, pas devant qui en réussit à envoyer à l'extérieur. Et là, Wicked qui saisit le disque, accélère. Wicked s'échappe dans l'enclave. Il va y aller. Antoine Wicked qui vient glisser entre de l'autre côté pour Bouchard. Et Tipu qui va intercepter. Oh. Et réussir à mettre à la croix. La croix qui s'échappe. Maxime. Fin. Tire. Quel but! Maxime Lacroix. Au départ, je pensais que Wallet avait fait l'arrêt. Beau venu chez les éperviers en fusillade ce soir. Boudreau face à Leclerc. Boudreau, il va d'une feinte. Tire. Et le but entre les jambes! Oh, c'est glissé doucement. Avec 2 grammes de sucre. On va reprendre. Morissette, de l'autre côté, Heinz. Heinz qui décampe. Heinz qui est seul, encore une fois. Il va de la même feinte et cette fois-ci, réussit à marquer. Olivier Heinz qui marque le... Et ce sera l'échappée d'Alexandre Goulet. Il s'avance. Lancé contre! C'est 2-2. Oh, Poudrier par la rampe. Ce sera en territoire adverse. Goulet, on a inventé sa vitesse. Revient devant le filet, le tir, et c'est le but! Oui. Alexandre Goulet, un deuxième. Oh, que dire! Ward laisse pour Guyon, qui s'amène à toute vitesse. Guyon, fin de tir. Garde la rondelle, contourne le filet. Le tir, le but! Maxime Guyon, quelle belle pièce de jeu individuelle. Mais c'est été intercepté par l'autre vétéran, c'était Ouellet. Attention, Picard par la droite. Voilà! Belle manœuvre en protection de rondelle de Picard. Dumas, il va d'un tir, c'est bloqué par Masson. Masson lobe le disque vers Maxime Saint-Cyr. Maxime Saint-Cyr qui s'échappe. Maxime Saint-Cyr qui est seul. Oh, quel but, Maxime Saint-Cyr qui vient créer l'égalité 1-1. Quel jeu des 3L sur la reprise et belle passe d'Antoine Boilly. On relance l'attaque avec Picard et Paradis. Picard s'amène à toute vitesse, contourne le défenseur. Devant de celle-là, tire le but. Wow, quelle belle pièce de jeu d'Alexandre Picard qui a usé de toute sa vitesse, il avait l'air du Roadrunner sur cette séquence. Ah, il a fait qu'une bouchée en premier lieu là, de Joachim Paradis et finalement de celle qui, une fois de plus, là, a mordu à la... On va passer par toutes les émotions ce soir. Oui, tout à fait. Oh! Un but de Newbury. Newbury qui marque son troisième. Un tour de chapeau pour Matthew Newbury ce soir. Alors qu'on venait tout juste de reprendre l'action. Et quand même un tip. Un bunt. Ouais. Comme au...
Pokulok dégage de loin. Ça revient Ouimet, bon favorable. Ouimet qui bat de selle avec une belle feinte et c'est 3-2. Les Pétroliers, un deuxième but en désavantage numérique. Joseph laisse à Goulet. Goulet devant Damour, belle feinte. Goulet s'amène, tirer le but. Oh, belle pièce de jeu de Goulet qui a beaucoup de vitesse et il s'en est servi sur cette séquence. Vous pouvez voir la reprise alors que Goulet a réussi à déjouer Anthony Damour. Pas non plus à garder le disque. Et là, c'est Hamelin qui récupère. Hamelin, belle fin là-dessus. Hamelin, le tir est contre. Oh, quel but! Quel but de Hamelin! Et c'est pas pour rien que c'est le meilleur pointeur des Pétroliers. On a vu tout son talent sur cette séquence-là. A déculotté le défenseur du Coulet FM. Le pèse tiré par le Coulet FM. Nadeau en contre-attaque. Nadeau, le territoire des Hyperviers. Nadeau au sol face à Carrier. Il va donner fin. Il le but! Tout un jeu de Nadeau là-dessus là, qui a passé une tasse de café au défenseur des Hyperviers. Quel but de Mathieu Nadeau! Wow! Vient à Harkey. Riedo s'empare d'une rondelle libre. S'amène devant Drelette. Belle fin de Riedo. Le tir, le but! Oh, quelle feinte! Wow! Passé un savon là ici à Decelle qui a mordu à la première feinte. Et donc, Riedo qui complète dans une cage béante. On en avait parlé il y a quelques instants à peine de Yannick Riedo qui avait beaucoup de talent. On voit d'ailleurs la séquence. À Goulet. Goulet, belle feinte devant le défenseur. Il réussit également à déjouer de selle. Il marque un troisième but. C'est maintenant l'égalité. 3 à 2. Tire de tout son long pour sauver son équipe. La relance de Desrosiers seul face à deux joueurs. Desrosiers, belle feinte. Desrosiers, attention, le tir à la but. Quelle manœuvre du capitaine Francis Desrosiers qui jette une douche d'eau froide sur le palais des sports. Et là, il y a des bouteilles d'eau. Donc, de retour, là, pour. C'était un bon top, là. Il y avait des beaux jeux là-dedans, mon Dave. Ouais, mais c'est le top 20 des plus beaux buts depuis depuis le début de la saison. Donc, une bonne sélection. Donc, les gens qui êtes avec nous, là, vous avez maintenant le privilège de savoir là, qu'est-ce que va être la nouvelle formule de l'émission La Sauce et la NH, là, pour. En attendant qu'il n'y a pas de hockey. On s'est assis, là, moi, Dave, et puis le TIF là, qui n'est pas là ce soir. J'ai vu la question dans le chat. Il était supposé d'être là. Il y a eu un empêchement de dernière minute. Je le sais que ce n'est pas la première fois qu'on dit ça, mais vous allez peut-être comprendre dans les prochains jours. En tout cas, trois petits points. Mais si on revient là, pour l'émission, là, on s'est assis ensemble, on a regardé qu'est-ce qu'on pourrait faire. Qu'est-ce qu'on pourrait faire aussi pour les fans? Une formule là, qui serait le fun, avoir de quoi faire pendant un podcast. On va avoir un invité, bien sûr, là, quand même, à chaque semaine. Mais vu qu'on n'aura pas là, de match auquel parler, qu'il n'y a pas beaucoup de nouvelles, on s'est dit que peut-être de faire des petits jeux. En l'occurrence, des quiz, que ce soit ben, je vais vous expliquer. Là, on voudrait faire, dans le fond, là, deux concours par émission. Donc, un concours qui s'adressait peut-être en premier lieu aux jeunes, qui auraient des jeux, peut-être des concours un petit peu plus pour les jeunes. On a pensé là, à des dessins. On a pensé, tu dessines le masque de gardien de but là, que tu veux. Après ça, on va faire des votes là, sur le plus beau dessin.
On voulait faire aussi une vidéo là, qu'un joueur de la Ligue va faire un move, un trick là, sur la patinoire là, de quartier. Là. Parce que on n'a pas le droit d'aller dans des patinoires à l'intérieur. Là. Mais ensuite, le jeune va imiter le trick, le move là, du joueur. Après ça, on va soumettre ça au vote. Sur la source du hockey, là, j'ai déjà installé comment qu'on peut faire ça. Là. On va avoir toutes les vidéos là, qu'on je ne sais pas si ça pourrait être 5-10. Je ne sais pas, Dave, qu'est-ce que tu en penses? Les 5-10, ça va dépendre combien qu'on en reçoit aussi. Ouais. Mais combien qu'on en reçoit? Mais on va faire ouais, les votes. Puis dans le fond, on aimerait ça commencer ça le 18. Donc, la semaine prochaine, on va commencer avec les premiers jeux. Bien sûr, on voudrait justement commencer par le jeu là, du trick, du move. Donc, on va vous présenter une vidéo le 18. À travers ça, ben là, il va y avoir une période de temps là, que les personnes vont faire leur vidéo, un 3 ou 4 jours. Après ça, un 2 ou 3 jours de vote. Puis, on va dire le gagnant. 7 jours plus tard, donc le 25, pour ce concours-là, pour les jeunes. Et puis, on voulait faire aussi un volet, peut-être plus pour les fans, là, plus adultes. Donc, on voulait faire des quiz. On en fait là, chaque semaine. Ça marche beaucoup. On lancerait une question qui serait dite, pas par nous, mais une vidéo qui serait préfaite là, par un joueur de la Ligue. Parce que c'est sûr que le but de ça, de faire les jeux, les tricks, de dire les quiz là, par des joueurs, on s'ennuie de nos joueurs, on ne peut pas les voir à l'aréna, prendre des photos avec eux autres. Donc, c'est une petite façon, là, en plus d'avoir des invités à chaque semaine, de pouvoir avoir des joueurs que les fans là, se rapprochent des joueurs. Puis en même temps, mais c'est une belle activité pour la Ligue pour consolider là, le fanbase, si on veut. Donc, le premier quiz, ça va être le 18, la semaine prochaine. Et puis, tout de suite, là, quand on va présenter la vidéo, donc, il va y avoir... les personnes vont dire les réponses. Là, puis la première personne qui va dire la réponse va gagner. Mais encore là, qu'est-ce que ces personnes-là vont gagner? Donc, depuis... environ une semaine, on a décidé de contacter là, toutes les équipes là, pour pouvoir avoir des prix, pour pouvoir avoir quelque chose que les fans là, vont pouvoir se mettre sous la dent. Donc, j'ai des petites photos là, pour vous montrer. Du côté de l'assurancia, comme pour les jeunes, là, on aurait un toutou, une tasse, un tapis de souris. On aurait des photos. Donc, ça, c'est une initiative là, de Sandra Giroux-Poulin, donc, qui a communiqué avec moi aussi pour qui était prêt là, à fournir ces prix-là. Toutes les équipes là, se sont prêtées au jeu, à savoir tout le monde, qu'est-ce que tout le monde allait donner. Encore, c'est pas planifié. Je crois que justement, là, à la réunion, Gilles Rousseau, tantôt, il en a parlé, il s'est échappé, mais il était supposé parler. On va arriver avec un petit plan pour ça faire, pour que justement là, que les propriétaires approuvent tout ça. Approuvent tout ça, que tout le monde ait des beaux prix. Là, c'était supposé être la réunion du 10, finalement, c'est reporté au 17. Il y a aussi Samuel Busque là, du Cool FM qui m'a fourni cette photo-là. Il y aurait des hoodies, des t-shirts, là, peut-être même des jerseys qui seraient dans les prix là, du côté du Cool FM. Donc, les modalités, là, je crois que je ne sais pas si c'est un package encore là, ou si c'est les gens choisissent le pays qu'ils veulent, ou si c'est un package de plusieurs items. On va confirmer ça.
Curieux de savoir, mais c'est ça, au cours de la semaine, on va vous en revenir avec ça. Puis le 18, je pense qu'on va pouvoir annoncer tout ça. Puis on voulait contacter toutes les équipes, là, parce qu'on sait que les gens qui nous écoutent, vous êtes des personnes, des partisans de toutes les équipes. C'est sûr que si tu es un fan des pétroliers puis qu'il y avait juste le prix de l'assurance, c'est pas ton équipe, on comprend bien que ça tente un peu moins de le faire, le quiz, de participer. Donc, tu vas pouvoir gagner quelque chose de ton équipe. Puis, c'est ça. Puis le but là-dedans, quand on s'est parlé, ce qu'on voulait vraiment, c'est d'essayer le plus possible de rapprocher les fans de leur équipe puis des joueurs aussi. C'est pour ça qu'on va essayer de faire participer les joueurs le plus possible là-dedans aussi. Donc, c'est pas mal ça, la pensée derrière tout ça. Fait que si vous pensez, nous autres, on a déjà une petite liste là, de choses qu'on aimerait faire là, avec vous, des cours comme concours. Peut-être, là, si vous avez des idées, communiquez avec nous. On pourrait faire toutes sortes de choses, là, mais on voudrait vous impliquer et impliquer aussi les joueurs. Je pense que ça pourrait être pas mal de la fun. Là, puis c'est quelque chose de différent aussi, en attendant qu'on n'a pas de hockey. Puis, on va avoir du fun. Le plus de fun possible jusqu'à temps que ça revienne. Là. On se croise les doigts que ça soit le plus vite possible, mais malheureusement, c'est pas nous qui avons le pouvoir. Fait que... On va essayer de rendre ça le plus fun possible en attendant. Donc, quand même, je trouve que c'est une grosse nouvelle, quelque chose, je pense que c'est une initiative qui regroupe plein de gens. Là, nous, on communique avec les équipes, là, mais quand même, les équipes ont à se parler entre elles. Les gens vont pouvoir avoir des... Porter les couleurs, là, si vous n'avez pas déjà un t-shirt, un chandail de votre équipe, ben, ça va peut-être être le moment ou jamais là, si vous participez au concours. Puis je pense que ça, c'est quelque chose vraiment là, pour les fans. On veut vous gâter. Les équipes, les joueurs sont peut-être éprouvés là, de ne pas pouvoir jouer des games de hockey, mais du côté des fans aussi, de ne pas pouvoir se rendre à l'aréna. Pour les games, c'est aussi pas le fun là, pour vous. Ouais, okay, on espère que ça va faire plaisir aux gens, là, puis on espère que le plus de gens possible vont participer, puis qu'on va réussir à, on va essayer de réussir à aller chercher là, les prix les plus hauts possibles pour permettre à toutes les fans de chacune des équipes là, d'avoir la chance de gagner de quoi de cool. Puis, de mon côté, je vais essayer de sortir peut-être du contenu du côté là, du groupe fan de la LNH. Là, je sais que il y a tout le temps là, des petits questionnaires avec les joueurs. On pourrait faire peut-être des infographies parties. Pour, c'est comme des questions sur les joueurs, faire connaître les joueurs, qu'on pourrait peut-être sortir des petites images là, un peu avec ça. On parlait d'impliquer les joueurs. On pourrait peut-être aussi faire des petites vidéos là, pour nous dire hey, les fans, on pense à vous autres. Venez nous voir quand que le hockey va commencer. Donc, on va essayer de trouver des choses là, aussi. On the side, là, qui sont, ben, on parle des concours, mais aussi pour mettre un petit peu d'entrain, là, vu qu'on ne peut pas regarder des parties. Bien sûr. Donc, bon, ben, sur ça, je crois qu'on a fait une émission de 2 heures, là, Colin, pour du monde qu'on n'avait pas grand chose à dire, finalement. Ouais. Ben, ça faisait 3 semaines aussi. Hein. Peut-être pour ça aussi. C'est ça. Okay. Il y a Sarah Bérubé, justement, de fans de la LNH, qui écrit « Invitez Joël Thériault, même s'il a pris sa tête. » C'est sûr que vous allez avoir beaucoup de monde pour ce live-là. Je pense que peut-être inviter, justement, des anciens joueurs. François Poliquin aussi, qui a une suggestion. Inviter des anciens joueurs étoiles de la Ligue. Ouais. Ça serait le fun. Là. Peut-être une petite soirée... Une petite soirée, là, anecdote, là, avec des joueurs et des joueurs. Ben, ça serait le bon moment aussi, là, s'il y a pas de... Si on a encore 3 semaines, 1 mois sans hockey,
Ça serait le bon moment aussi d'avoir ce genre de joueur-là là, pour justement là, une petite podcast anecdote de ce genre de choses-là. Puis c'est sûr que c'est le joueur qui est associé le plus peut-être à la Ligue américaine. Fait que c'est sûr que ça serait un bon show. Yes. Donc on va essayer de se planifier là, un bon petit ouais, panel, on garde ça en tête. D'inviter là, pour les prochains temps. Donc en vous remerciant là, de nous avoir suivis là, encore une fois en grand nombre aujourd'hui, même si on n'a plus de hockey, de vous voir là, commenter. D'avoir un invité aussi là, qui s'est prêté au jeu. Là. C'était super le fun, Dave. De retrouver mon collègue Dave. J'ai eu bien du fun, en tout cas. Je ne sais pas pour vous. Mais, ouais, c'était le fun. Ça sent le hockey. Là. Ouais, ça manquait. Là, encore là, mais c'est juste de parler de la Ligue là, comme ça pendant 2 heures, parler à Gilles Rousseau. Là, ça commence le plus possible. Donc, merci Dave. Merci, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis encore une fois. Donc on va être là le mardi 20h là, la semaine prochaine. De retour là, à chaque semaine avec notre nouvelle formule, un invité, les concours. Soyez des nôtres et puis passez le mot, là, passez le mot à votre beau-frère, votre belle-sœur, le chum, la blonde, tout ça, pour qu'on reforme là, un gros groupe. Je pense que aussi, là, Sarah a écrit, là, ça serait le meilleur live de l'histoire avec Joël Thériault. Je pense que on va essayer là, d'amener du monde là, pour faire de quoi de tout. Yes, ouais. Sir. Donc, bonsoir et faites attention à vous à la maison. Il est 22h et 7, là, donc le couvre-feu est passé. Vous n'êtes pas supposé de sortir. C'est bon. Ouais, c'est vrai. Il faut être à la maison. Donc, bye-bye. Bye, là. Merci.